des gens. Voir du monde entier. Quand on parle à ce niveau-là. D'accord. Donc vous êtes vraiment le. Ça peut paraître bizarre, mais le ouais, exactement. Là, vous êtes sûr que vous avez une diction qui est régulière, en fait, pour les gens qui vous écoutent. D'accord. Ici. Qui est régulière et qui est constante.
c'est moi, c'est gelé. J'ai gelé. Je remets là. Bonjour à tous et bonjour aussi aux internautes qui nous rejoignent pour visionner la conférence en ligne. Je vais tout de suite passer la parole à Muriel Mambrini qui va animer cette conférence, qui est membre du conseil scientifique et éthique du FFAS. Merci Florence. Bonjour à chacun d'entre vous ici et ailleurs. Donc il me revient et le président du comité scientifique et éthique du Fonds français pour l'alimentation et la santé, Claude Fischler, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, m'a demandé d'animer cette session de travail qui est finalement un rendez-vous que nous avait donné Patrick Caron l'année dernière suite au rapport qui avait été produit par le Conseil de la sécurité alimentaire, non, par le comité des experts de haut niveau du Conseil de la sécurité alimentaire qui avait été mandaté pour travailler sur nutrition et sécurité alimentaire. Et ce rendez-vous est tout à fait important et exceptionnel pour que les uns et les autres, nous puissions être à la fois avertis et acteurs de ce qui peut se passer sur la suite. J'avais simplement un chiffre que je voulais partager avec vous, 821 millions. 821 millions de personnes souffrent d'une carence alimentaire en 2017. En 2016, ils étaient 804 millions.
Autrement dit, sur 10 personnes ou sur 9 personnes dans la salle ici présente, vous en avez une au moins dans votre champ qui pourrait souffrir d'une carence alimentaire si dans la salle ou ailleurs nous représentions la population mondiale. 11% de la population mondiale. Donc c'est à la fois une problématique locale et globale qui a aussi des effets sur les générations suivantes, on le sait de plus en plus, et où il faut toujours garder en tête l'imbrication des échelles, des acteurs et le caractère multifactoriel. Complexe, allez-vous me dire. Moi, je le traduirais plutôt dans le fait que les actions ne peuvent être que distribuées et où chacun peut agir. Ce qui veut dire que si elles sont distribuées et discrètes, il faut un cadre politique argumenté et ferme. C'est la raison pour laquelle il y avait eu cette demande qui avait été faite au comité d'experts du Conseil supérieur, du Conseil de la sécurité alimentaire. HPLE, autrement dit, au comité d'experts, qui a été constitué suite aux émeutes de la faim en 2008. Ce rapport, Nutrition et sécurité alimentaire, avait été présenté l'année dernière par Patrick Caron dans le cadre proposé par le Fonds français pour l'alimentation et la santé, en avant-première, pour pouvoir poser les éléments de réflexion. C'était un rapport qui visait à en parler, à en débattre et à voir comment les uns et les autres peuvent agir. La présentation que chacun peut retrouver sur le site du Fonds français pour l'alimentation et la santé montrait qu'en fait, on pouvait se faire une représentation de cette situation complexe et discrète ou discrétisée sur un grand nombre de dimensions, et où on pouvait retenir finalement trois grands axes de réflexion, qui étaient un axe autour de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, un axe autour de l'environnement alimentaire et un axe autour du comportement des acteurs. J'ai extrait cette représentation du rapport lui-même, dont la qualité a été unanimement saluée, parce qu'elle permet en fait de positionner un certain nombre d'actions dans leur diversité, et dans la diversité des échelles auxquelles il fait appel. Je ne reviendrai pas sur les éléments qui ont été identifiés dans le cadre de ce rapport, chacun pourra s'y référer, mais il aboutissait en fait à 10 recommandations que j'ai extraites ici, à 10 recommandations, mais également à l'identification de 3 barrières à la mise en œuvre des actions. Ces barrières sont la première de ces barrières est la difficulté à reconnaître le droit à une alimentation saine. La seconde barrière est le fait que le dialogue au sein des systèmes agroalimentaires peut être relativement dissymétrique. Et la troisième, c'est la difficulté souvent à atténuer les conflits d'intérêts dans les différents réseaux ou aux différents niveaux des organisations. Et donc, suite à ce rapport, et Patrick nous l'avait annoncé, il y a eu tout un travail de concertation politique qui a duré un an et qui, en fait, a abouti à une proposition dont Patrick se fera l'écho et qui a été actée dans le cadre de la réunion annuelle du CSA qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc vous voyez, nous sommes tout à fait contemporains de ce qui se passe et je remercie Patrick de cette proposition et je remercie en fait chacun et chacun d'entre vous d'entrer dans cette réflexion. Les conclusions de la première session de travail qui avait été organisée au Fonds français pour l'alimentation l'année dernière, suite à la présentation du rapport, étaient au nombre de 5 et avaient été rappelées par Patrick. Premièrement, il rappelait que le rapport visait à provoquer des échanges entre acteurs et j'espère qu'il va continuer à provoquer des échanges entre acteurs. La deuxième, c'était qu'on avait beaucoup échangé sur la notion d'environnement alimentaire et que c'était sans doute charnière, et je pense que Patrick y reviendra.
La troisième des conclusions était que ça nous obligeait à penser ensemble le destin et les destins liés à l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la santé, l'économie, et de savoir penser à la fois localement, mais en ayant nécessairement un décloisonnement. Et donc si on le pense en France, on le pense aussi décloisonné pour l'ensemble du monde. La quatrième élément de conclusion, c'est que ça nous intimait aussi, pour pouvoir décloisonner, de donner une valeur au bien commun. Et la cinquième était que c'était un moment où chacun pouvait être acteur. Et c'est bien là le rendez-vous qui vous est donné aujourd'hui, c'est que chacun peut être acteur de la suite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit cet ordre du jour, finalement, de cette matinée, où nous aurons une présentation par Patrick Caron, donc président du comité directeur du groupe d'experts de haut niveau, le HPLE, du Comité des Nations Unies pour la Sécurité Alimentaire Mondiale, dont j'ai parlé abondamment tout à l'heure, qui va nous présenter comment, finalement, nous pourrions nous préparer à l'élaboration de directives volontaires sur les systèmes alimentaires et comment on peut commencer à imaginer les trajectoires d'un processus. Ensuite, nous aurons une conférence d'Hervé Guyomard, qui est directeur de recherche à l'INRA, spécialiste, grand spécialiste de la politique agricole commune, et va nous entraîner dans un changement d'échelle et regarder au niveau européen quelles sont les considérations liées à la malnutrition dans la politique agricole commune. Et ensuite, nous aurons une table ronde où nous interviendrons en fait Céline Place, sous-directrice adjointe du développement humain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Frédéric Lambert, chef du service Europe et international du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Valentin Brochard, chargé de plaidoyer sécurité alimentaire, action contre la faim, et Agnès Martin, qui vient de Danone et qui est responsable de la recherche chez Danone. Et ensuite, nous aurons une discussion générale avant la conclusion qui sera donnée par Daniel Néraud, directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Nous allons devoir vraiment gérer les temps. Donc je pense que tout le monde va me haïr à la fin de cette journée, à la fin de cette matinée, puisque en fait l'organisation qui vous est proposée à tous et à vous aussi à distance, puisque nous recueillerons aussi toutes vos questions à distance, eh bien elle sera d'avoir des conférences, 5 minutes de questions après chaque conférence sur les questions brûlantes de compréhension. Ensuite, nous aurons une table ronde. Une table ronde qui s'ouvrira sur une discussion et ensuite nous aurons une discussion générale. Et je serai chargée de cadencer les temps. Voilà. Voilà le menu de cette matinée. Bien, merci de votre présence et je remercie en fait tous les participants, à la fois conférenciers et participants de la table ronde, d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Fonds français. Et je passe immédiatement la parole à Patrick pour 30 minutes de présentation. Bonjour, bonjour et merci Muriel et merci au Fonds français Alimentation Santé. C'est comme on filme partout ici, donc c'est le deuxième des 3 épisodes. C'est pas un film, c'est une série. Et comme toutes les bonnes séries, on espère même qu'on inventera de nouveaux épisodes à la sortie et que le 3e ne sera pas le dernier. Bon, on est bien, oui, merci. On est bien sur le 2e et du coup mon rôle là ce matin, c'est de rebondir sur ce qu'on s'était dit l'année dernière et de montrer en quoi on ouvre cette période de 2 ans vers le 3e. Donc je ne rentrerai pas nécessairement, à moins que vous m'y invitiez, sur le fond des questions qui touchent à l'évolution des systèmes alimentaires, mais je m'intéresserai plus au processus tel qu'il a été conduit au cours de ces dernières années et pourquoi on en arrive là à un moment important où, il y a un mois, on a donné le top départ d'un processus qui va durer 2 ans et qui nous amène à nous retrouver pour
se mettre d'accord au niveau international sur l'élaboration, enfin pas sur l'élaboration, on va élaborer pendant 2 ans et se mettre d'accord d'ici 2 ans sur des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Alors, vous voyez déjà un petit écart, je m'en suis rendu compte en finalisant le support, il y a un petit écart, ça pourrait faire débat éventuellement d'ailleurs, entre le titre dans l'encadré rouge, qui est le vrai titre dans le langage Nations Unies, et celui de la conférence qui dit normes et normes sur l'alimentation. On n'est pas tellement, c'est moi qui suis responsable, hein, on n'est pas tellement sur des normes sur l'alimentation, on est sur des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires. Voilà, 2 petites nuances sur lesquelles éventuellement on pourra revenir dans le débat. Donc, comme Muriel le disait, le point de départ, c'était il y a presque 1 an, jour pour jour, hein, la présentation de ce rapport, le numéro 12 des rapports du HLPE, vous le voyez dans le petit encadré en haut à droite, et qui portait sur les systèmes alimentaires et la nutrition. Et ce rapport lui-même a aussi... toute une histoire que j'ai racontée. Il est le fruit du travail d'une équipe projet que vous voyez ici en photo. Donc vous voyez ici l'équipe qui était pilotée par Jessica Fanzo, la directrice de l'équipe projet, de personnes qui sont quand même parmi les meilleurs mondiaux avec une discipline, une origine géographique, culturelle et disciplinaire très forte. Pour citer ce monsieur en haut à gauche, vient d'avoir le prix, le World Food Prize, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de l'alimentation. Donc il était l'un des membres de l'équipe. Ici, vous avez le coordonnateur du HLPE, notre collègue Nathanaël Pingot, qui est basé à Rome. Donc vous voyez que, en fait, on a une équipe de spécialistes qui élabore un projet, qui lui-même est mis en consultation très large, qui lui-même est relu par les pairs scientifiques, mais qui se fabrique sur un processus qui dure 1 an et demi, sous le contrôle du comité directeur du HLPE. Et donc, ce rapport a été produit en octobre, enfin lancé en octobre 2017, il y a tout juste 1 an. Et au moment de la plénière, le comité de sécurité alimentaire qui a été créé en 1974, qui est un organisme intergouvernemental, se réunit pendant 1 semaine à Rome en plénière tous les mois d'octobre, mi-octobre, et du coup a délibéré de la manière suivante. Il y a des textes comme cela que je vous mets, c'est pas pour qu'on les lise tous ensemble du tout. En général, je mets en couleur ce sur quoi j'attire votre attention, mais c'est un copier-coller des textes tels qu'ils ont été produits par l'intergouvernemental. C'est pour ça que je vous les soumets. Et donc, au moment de la présentation, le 10 octobre, de ce rapport en plénière du comité de sécurité alimentaire, le comité de sécurité alimentaire a décidé que la recommandation 9A du rapport, que l'on avait donc soigneusement introduit dans le rapport, après ce processus collectif, et qui disait « Nous recommandons au comité de sécurité alimentaire d'élaborer des directrices volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition », et bien que cette recommandation a été acceptée, et que donc c'est la deuxième partie, qu'au-delà de saluer la qualité du rapport dans le reste de ce texte-là, que le comité de sécurité alimentaire demande à ce que se mette en place un processus qui durera 1 an et qui permettra de définir les termes de référence de l'élaboration de ces directrices volontaires. Donc vous voyez déjà la séquence, on reçoit une requête du comité de sécurité alimentaire, on prépare le rapport, ça dure 1 an et demi, on présente le rapport est non pas approuvé parce qu'on n'est pas sur cette scène-là, mais les recommandations du rapport sont reprises par le comité de sécurité alimentaire qui lui-même délibère et propose que pendant 1 an, cela soit mis en débat sur la manière d'aller plus loin. Alors, toujours dans le... Pour
pour vous reprendre des textes dans le rapport de cette plénière de 2017. Il était dit explicitement, je vous la relis, que notre recommandation 9A, à savoir le comité de sécurité alimentaire, CFS, c'est Committee for World Food Security, UN Committee for World Food Security, que le comité de sécurité alimentaire devrait considérer l'opportunité d'élaborer des directrices volontaires sur l'amélioration, on ne parle pas, j'y reviendrai, de système alimentaire, mais sur l'amélioration des environnements alimentaires pour des régimes alimentaires sains. Ça, c'était la recommandation qu'on avait élaborée, qui a donc été reprise, et du coup, la création d'un open-ended working group, hein, dans le jargon, donc d'un groupe de travail à composition non limitée, donc un groupe de travail ouvert aux différentes parties prenantes. Donc le comité de sécurité alimentaire mandate un groupe de travail pour élaborer les termes de référence qui permettent de préparer, dans une perspective d'accord intergouvernemental, ces normes alimentaires. Et donc, moi, je vous avais dit, ça, c'est ce que je vous ai présenté l'année dernière. Je dis un peu comme ça, en rigolant, rendez-vous dans un an. Je ne m'attendais pas complètement à revenir ici, à ce moment-là. Mais voilà, je suis content. Et du coup, qu'est-ce que je vous propose de un an plus tard, de reprendre le film à l'envers, hein, de rembobiner le film. Et du coup, il faut remonter à octobre 2015. C'est aussi pour vous donner une idée de la temporalité à laquelle les choses se font. Il faut remonter à octobre 2015 pour que, lors d'une plénière, la 42e du nom, le comité ayant été créé en 1974, donc chaque année il y en a une, pour que le comité de sécurité alimentaire mandate le HLPE. Et en amont, il y avait déjà un avant de cette décision, c'était qu'il y a eu un processus déjà de négociation pour savoir quel est bien le rapport que l'on va demander au HLPE de produire. Jusque-là, on en avait produit un sur les accaparements fonciers, un sur le changement climatique, un sur, toujours en lien avec la sécurité alimentaire, un sur les pêches, un sur les filets de sécurité, un sur l'agriculture familiale, un sur les ressources hydriques, un sur le rôle de l'élevage, etc., etc. On avait eu 11, puisque c'est le 12e. Et donc, voilà, il y a tout un processus déjà qui dure pendant 6 mois de négociations entre les parties prenantes du comité de sécurité alimentaire pour arriver à une requête. La requête est négociée, octobre 2015, on nous demande d'élaborer ce document. Alors, je pense que un petit commentaire que j'avais dû faire l'année dernière, c'est pas par hasard, ce rapport-là, il est quand même central pour le HLPE. Il est central pour le CFS. S'intéresser au système alimentaire, c'est vraiment le cœur. On pourrait presque se dire pourquoi il n'a pas été demandé avant. Alors qu'avant, on a demandé le rôle de certains piliers des systèmes de production, ou certains processus en cours. Voilà. Et je pense qu'il a fallu ce processus de maturation, mais qu'en plus, on s'inscrit dans un agenda international qui le rend d'autant plus pertinent. Et l'agenda international, j'ai cité ici l'ODD2, donc l'agenda 2030 pour les objectifs du développement durable, avec celui sur éliminer toutes les formes de malnutrition, le 2. Mais on sait aussi qu'il y a une décade de la nutrition, qu'il y a un rapport international sur la nutrition. Il y a un agenda global montant sur les questions de nutrition. Et ce n'est pas par hasard, du coup, qu'on a attendu, je le dirais comme ça, 2015 pour formuler cette requête. Le premier, c'était il y avait un besoin de temps de maturation. Et le deuxième critère, c'était ça monte vraiment à l'agenda. Alors, les quelques messages de ce rapport, en vraiment très grand, et je veux pas. Je les ai mis exprès petits pour ne pas y passer de temps, et sur une diapositive, parce que je ne veux pas refaire ce que j'ai dit l'année dernière. Donc c'est juste pour nous le remémorer. Hein, c'est déjà, le premier, c'est que l'ampleur de ce fléau lié à l'alimentation, ça devient monstrueux et majeur. Une personne sur trois est en situation de malnutrition, et la malnutrition, ce n'est pas uniquement la sous-nutrition des 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger.
c'est aussi et de manière très liée les 2 milliards de personnes en surpoids, les 2 milliards de personnes souffrant de faim cachée, les 600 millions dans les 2 millions en surpoids, il y a les 600 millions en situation d'obésité, et on sait très bien qu'il y a des liens complexes entre ces différents fardeaux. Donc, et ce n'est pas uniquement le problème des pays pauvres et des pays du Sud, c'est un problème partout. À titre d'exemple, dans un petit groupe de travail dans lequel je suis, un de nos collègues anglais a mis la photo d'une plage de Brighton en 1976. Et je peux juste vous dire que l'esthétique des gens a profondément évolué en 40 ans sur la plage. Et le format des gens a profondément évolué en 40 ans. Donc, si la sous-nutrition ne diminue pas suffisamment rapidement, on voit que l'obésité et le surpoids et toutes les maladies non communicables, non transmissibles liées augmentent de manière dramatique. Des coûts importants, c'est non seulement inacceptable, c'est non seulement des questions sanitaires, mais c'est aussi un coût en termes de santé publique qui devient majeur, au point où de plus en plus de personnes disent que c'est devenu le problème numéro un de santé publique, loin devant les maladies infectieuses. Loin, je ne sais pas, mais devant les maladies infectieuses. Autre message que je voulais donner, c'est qu'on a souvent tendance à dire voilà comment vont évoluer les comportements des consommateurs, et de dire ceci n'est pas nécessairement lié et défini à l'avance. On peut agir sur le comportement des consommateurs. Et je pense qu'on a plein d'exemples en ce moment, y compris en France, donc pour s'en rendre compte. Et puis, le dernier message sur lequel je voulais revenir, c'est celui des environnements alimentaires. L'environnement alimentaire, on l'avait défini, c'est une littérature qui est en train de se faire, mais on l'avait défini comme l'ensemble des facteurs qui permettent d'impacter et de transformer le comportement des consommateurs. Uniquement aussi pour dire, enfin pas uniquement, mais pour dire que dans le domaine de la consommation, on n'est pas entre un offreur d'aliments et un demandeur d'aliments qui va consommer. Il y a aussi tout un tas de facteurs qui influent, qui impactent, qui transforment, qui sont liés à nos valeurs, à nos normes, au collectif et à l'acteur public. L'acteur public qui peut agir sur celui-ci. Si je vous dis si je vous en donne deux exemples, vous comprendrez tout de suite. Un, les modalités de restauration collective publique, et deux, la publicité qui peut être faite d'aliments aujourd'hui considérés comme peu propices à une bonne santé. Je pourrais en donner un troisième qui est comment on informe le consommateur et quel type d'information on donne. Donc, on concluait en disant oui, il y a une nécessité profonde de transformation des systèmes alimentaires. Et dans le rapport, on présente un certain nombre de mesures, de politiques qui ont donné des résultats divers et variés ou qui sont en cours d'expérimentation, puisque j'ai donné ces deux exemples. L'interdiction de publicité pour les boissons sucrées au Mexique ou la taxe. La taxation des produits sucrés au Mexique ou des mesures d'information aux consommateurs au Chili. Et puis, on montre dans ce rapport et des actions, mais également le fort potentiel d'action publique sur les environnements alimentaires. Voilà, alors qu'est-ce qu'est le groupe d'experts de haut niveau ? En fait, quand le CSA s'est réformé en 2008-2010, après les émeutes dites de la faim, mais en fait il y a une volatilité excessive des prix, il y a eu deux grands piliers de cette réforme. Le premier qui était d'être plus inclusif, donc d'inclure les parties prenantes de la société civile et du secteur privé. Et le deuxième qui était de créer ce fameux HLPE, où tout le monde avait un peu le GIEC à l'esprit, et la capacité de la science de jouer un rôle dans la négociation politique, comme elle l'a fait à l'occasion de l'accord du climat. Donc d'avoir un conseil indépendant qui travaille sur la base d'évidence, qui travaille d'évidence au sens scientifique, hein, de reconnu par le monde scientifique, mais pas uniquement d'évidence et pas uniquement un rapport de synthèse, qui s'intéresse au désaccord. Pourquoi les différentes parties prenantes n'arrivent pas à se mettre d'accord et comment on peut faire de la controverse
quelque chose qui devient du coup fécond pour alimenter le terme exact dans le jargon utilisé et donc de convergence politique, de policy convergence, pour comment on peut comprendre les désaccords pour alimenter l'élaboration de processus de négociation, voilà, pour les éclairer. Et donc on est bien sur un nouveau mode de relation de la science aux politiques, à la fois qui ne nie pas la complexité et les enjeux qui sont en cours, qui fait de l'évidence quelque chose qui permet de dépasser les alertes indispensables par ailleurs, mais les alertes et uniquement posture critique, qu'elle soit de l'ordre de l'affirmation des doutes ou de l'affirmation des certitudes, pour retravailler et reconstruire les éléments d'un discours, et donc essayer de construire à partir des désaccords. Ça, ce sont les trois fonctions statutaires du panel du groupe d'experts de haut niveau, le HLPE, et donc la deuxième, c'est de produire des rapports sur des sujets controversés. Et on est exactement avec le rapport que je vous ai présenté dans ce cadre-là. On a reçu une requête en 2015. On nous a dit travailler sur système alimentaire et nutrition. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Et donc, un rapport du HLPE, ce n'est pas un rapport scientifique. Il répond à une question politique et il alimente un processus politique. Et donc, il faut le revoir comme ça, même si c'est un travail réalisé par des scientifiques. Il a pour vocation de s'adresser à des non-spécialistes et de formuler des recommandations. Il n'est pas prescriptif, il ne dit pas « il faut ». Il est par contre normatif en disant « considérer la possibilité de ». Hein ? Donc, il invite à, et donc il est le point de départ d'une négociation politique. Par rapport aux documents généralement produits par les organisations internationales, l'enjeu, c'est de travailler sur les désaccords, et pas forcément de construire un accord, en tout cas pas d'être timide par rapport à ça. Et par rapport aux documents de plaidoyer, il ne dit pas « voilà ce que je veux qu'il soit ». Il dit « voilà tout ce que j'entends à propos de ce que je veux qu'il soit ». Donc il met en perspective l'ensemble des positions et des plaidoyers. Et donc d'une certaine manière, moi si je résume le rôle du groupe d'experts de haut niveau, il fait l'agenda. Il fait l'agenda international. Alors, de manière modeste quand même, donc il contribue à faire l'agenda. Il ne fait pas à lui tout seul l'agenda, mais il positionne l'agenda depuis le temps de la requête. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est tout ça, c'est un temps très long. Puisque vous voyez que la négociation sur le thème du rapport a dû commencer au tout début de 2015, pour être explicite en octobre 2015. On est aujourd'hui en 2018 et on commence un processus de 2 ans sur l'élaboration des normes pour se donner rendez-vous dans 2 ans et être d'accord. Donc vous voyez que ce processus-là aura duré au moins 5 ans, 6 ans. Et je voulais c'est cette temporalité-là que je voulais partager avec vous. Et quels sont les moments clés par rapport à ça. Donc là, je serai assez bref, puisque Muriel l'a évoqué, et puis c'était l'année dernière, pour redire que peut-être l'une des originalités de ce cadre conceptuel du rapport, c'est pas pour lire toutes les cases que je vous ai mis ça, mais c'est les ellipses rouges. Hein. C'est qu'on a, en fait, généralement, quand on regarde les systèmes alimentaires, on a les producteurs et les consommateurs. Et puis ça s'interface. Donc nous, on a introduit les environnements alimentaires, c'est les ellipses du milieu. Hein. Donc entre tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est choix du consommateur ici et ce que cela produit, ben voilà, il y a ce maillon qui est l'environnement alimentaire sur lequel on proposait que l'on puisse intervenir, et ça sur la base d'expériences qu'on a rapportées. Je vais passer là-dessus rapidement parce que en fait, ça Muriel l'a dit en grande ligne. Je voudrais juste, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, je l'avais présenté, mais insister sur ce mot de la diversité. Diversité entre les pays, diversité au sein des pays. Et donc le grand écart qu'on a à faire quand on élabore de telles normes, qui est de dire on pense et on réfléchit au niveau mondial, mais on réfléchit en fonction de la diversité. Donc on n'est pas forcément dans, voilà, en Albanie ou au Burkina Faso ou en Azerbaïdjan, il faudrait faire ça. On est sur, voilà le cadre mondial qu'on peut se donner pour qu'au niveau des différents pays et en fonction des différents types de systèmes alimentaires, ici on a une idée des transitions des types les uns vers les autres, adaptés de travaux de Drewnowski et Popkin. Donc en fonction de cela, voilà comment il vous faudrait penser
d'élaboration de directrices volontaires qui soient adaptées à votre situation. Donc je veux réinsister sur ce point-là, on pourra y revenir. Nous, on avait mis dans notre rapport l'accent sur l'environnement alimentaire, comme je le disais. J'ai expliqué pourquoi. Et là, quand on avait parlé d'environnement alimentaire, en allant un petit peu plus loin, on l'avait segmenté en 4 registres d'intervention possibles. Soit on peut intervenir sur l'accès physique. En effet, il y a des déserts ou des bourbiers alimentaires. C'est décrit dans le rapport. Désert, on peut pas. Il faut faire 30 km à pied pour aller chercher à manger. Bourbier, c'est on sort et il y a une pléthore d'offres d'alimentation qui sont peu propices à la santé à proximité. On pouvait parler en termes d'accès économique et en particulier de pouvoir d'achat, en termes de promotion et de publicité. Donc ce qui impacte, hein, je vous rappelle, là on est sur ce qui impacte le choix du consommateur et donc de qualité et sécurité sanitaire des aliments. Et dans le rapport, on en donne tout un tas d'exemples, soit en haut, on est toujours sur nos 3 piliers là, hein, vous les reconnaissez les 3 piliers, l'approvisionnement, l'environnement alimentaire, le consommateur. Et donc dans le rapport, on donne des exemples de ce qui à toutes les étapes permet d'améliorer la situation en haut, ou de ce qui, à toutes les étapes, permet de dégrader la situation des systèmes alimentaires. Donc je vous invite pour plus d'infos à reconsulter le rapport si vous ne l'avez pas fait. Je ne l'ai pas dit et je n'ai pas mis les sites, mais tout était téléchargeable. Tous ces rapports-là sont téléchargeables, de même que les sessions de négociation. Elles sont filmées et on peut encore y accéder à tout moment sur le site, soit du comité de sécurité alimentaire, soit sur le site du HLPE. Et donc, et ça, Muriel l'a rappelé aussi, ça l'avait frappé probablement, les différentes barrières et obstacles qui montrent qu'on a beau imaginer des solutions, elles ne sont pas toujours si simples à mettre en œuvre, et l'incapacité à mettre en œuvre le droit à l'alimentation, les asymétries de pouvoir et les conflits d'intérêts en sont des enjeux majeurs. Les recommandations, Muriel les a présentées, donc je passe. Rappelons-nous juste la 9, hein, améliorer la qualité des environnements alimentaires. Et donc cette petite ligne 9A que j'ai lue tout à l'heure dans la 9 et qui est celle qui a déclenché tout le processus de négociation par la suite. Ça, c'était les points que moi j'avais retenus dans mes notes l'année dernière à la suite de la conférence. J'en avais partagé une partie avec vous et ça a été rappelé par Muriel. Donc sur certains, je serai un peu bref. La vocation à stimuler l'échange, l'importance de la langue. Et on avait eu longuement un échange sur le mot « diet » en anglais, qui ne veut surtout pas dire « diète » en français. Hein, « diète » en français, c'est Claude Fischler qui nous l'avait fait remarquer. Diète signifie le régime d'une personne qui n'est pas en bonne santé, en français. Alors que le diet en anglais veut dire régime, tout simplement. Et donc, en prenant cet exemple-là, on voit bien à quel point, on, même si des fois, pour certains, la langue de travail est en anglais, on peut avoir du mal à se mettre d'accord sur un texte ou à travailler. Muriel, j'en suis où au niveau du temps? Il reste 5 minutes? 6 minutes. D'accord. Le fait ensuite que dans les débats, on s'était bien mis d'accord sur le fait qu'un des enjeux des politiques publiques était le ciblage et que ça n'allait pas de soi. On n'est plus du tout sur j'opte entre sous-nutrition et obésité de l'autre uniquement ou entre nord et sud de l'autre. On est vraiment sur des processus qui sont souvent liés. On a besoin de dépasser la question de l'approche par l'offre pour repenser les systèmes alimentaires, pour repenser l'ensemble des systèmes en tenant compte des empreintes. Il faut qu'on arrive à décloisonner. Et décloisonner en repensant, elle l'a dit, mais je réinsiste, les destins liés de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, et Muriel a ajouté, et économie.
donc de tout ça, de mettre en cohérence ce qui se passe en France avec ce qui se passe dans le reste du monde, et du coup d'arriver à élaborer tant au niveau mondial des cadres cohérents, mais au niveau de chacun des pays, de chacune des localités, des trajectoires qui correspondent à un enjeu politique, à une négociation politique, à des besoins. Et donc, on s'était dit qu'il fallait se préparer à l'année qui vient. Et donc, voilà, l'année qui vient de s'écouler, et maintenant que je vous ai campé tout ça, ça ira probablement un peu plus vite. C'était donc comment on rend la controverse féconde. Et donc, on s'est bien mis d'accord sur ces termes de référence en octobre 2018, donc il y a un mois. Il y a un mois, il y a eu un accord. Je vais vous en donner les termes dans les grandes caractéristiques qui permettront justement d'alimenter le débat. La première chose, dans ce processus avant l'accord, il y a, dans le processus de négociation, et je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus participé que moi au cours de l'année, donc je serai muet sur cela, il y a eu un objet qui était le fait d'élargir le champ de l'élaboration des directrices volontaires. On avait proposé environnement alimentaire. Ce qui a été repris, c'est l'ensemble des systèmes alimentaires. Donc c'est beaucoup plus large. Et c'est ce sur quoi s'est mis d'accord le comité de sécurité alimentaire. Hein, donc un élargissement en disant oui, cette chose-là est suffisamment sérieuse et on ne peut pas, je le résume comme ça, on ne peut pas résumer ou réduire les évolutions des systèmes alimentaires aux environnements alimentaires. Donc il y a eu un accord en octobre pour élargir le champ de ces directrices volontaires. Éventuellement, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. J'ai moi-même une position. Je ne suis pas intervenu dans le débat et dans la négociation, puisque à partir du moment où on a remis le rapport, on n'a pas été longtemps plus concerté. Ça, c'est bien évidemment pas pour lire. Hein. C'est les termes de référence, ils font 9 pages. Vous pouvez les télécharger sur le site du comité de sécurité alimentaire. Et ces 9 pages, ils sont constitués, vous voyez, là, je vous l'ai... En fait, j'ai fait... C'est un choix personnel. J'ai fait du copier-coller de certains passages qui me semblaient le plus important pour le faire en une seule diapo. Mais surtout, là, vous avez... sur la colonne de droite, des mots qui sont les miens et qui permettent de saisir la structure de ces termes de référence. Donc on rappelle dans un premier temps ce qu'est la stratégie du comité de sécurité alimentaire. Dans un deuxième temps, on fait des choix en termes de ce que l'on attend du processus politique de convergence à ce propos. Et donc on met en évidence des options, l'approche systémique, l'exploration des différentes trajectoires. Donc on a un regard sur la diversité. Le fait d'être global dans sa direction, mais de permettre aux différentes parties prenantes, à différents niveaux, au niveau national, infranational, local, de se positionner. Un focus sur les plus vulnérables et les populations les plus vulnérables. Et puis l'inscription ici dans l'agenda mondial, qui est aujourd'hui l'agenda de la nutrition. Ensuite, une troisième section où globalement on reprend le rapport du HLPE pour justifier le besoin et la pertinence de ces directrices volontaires. Une quatrième section où on en définit les modalités. Et une cinquième où on parle des types d'instruments. On affirme, et ça je pense que ça va être important pour le débat, le fait qu'on n'est pas dans le droit contraignant. On est vraiment dans une démarche de mise en œuvre volontaire et qui doit être interprétée dans des cadres nationaux spécifiques à chaque fois. Et puis le fait de, malgré cette dimension volontaire, que ce soit encouragé par les organismes multilatéraux à tous les niveaux et que les organismes multilatéraux, et en particulier ceux de les Nations Unies, s'engageront à appuyer la mise en œuvre de cela. Et après, on revient sur quelles sont les cibles de ces directrices et puis une proposition de modalité très concrète pour le processus. Donc on voit... Alors, déjà, il y a un petit nom, hein, Voluntary Guidelines on Food Security and Nutrition. Ils lui ont donné un petit nom. Donc, d'une certaine manière,
ça existe déjà. Il y a presque un nom de baptême. Bien évidemment, elle n'existe pas complètement, puisque là, c'est, on pourrait dire que c'est la petite graine, et puis il faut attendre encore 2 ans pour l'accouchement. Mais on voit dans les différentes étapes de ces termes de référence que le HLPE a joué un rôle important. D'abord, cette recommandation 9A qui était issue du rapport. Ensuite, le fait d'avoir un document qui définisse le cadre général de l'élaboration des normes et auxquelles les différentes parties prenantes vont se référer, le fait d'afficher le ciblage sur les plus vulnérables, un certain nombre de définitions, que ce soit les systèmes alimentaires ou la typologie des systèmes alimentaires, qui sont reprises et qui sont extraites du rapport du HLPE, et le fait de s'appuyer sur le cadre conceptuel avec ses 3 piliers, approvisionnement, environnement alimentaire et choix des consommateurs. Et donc dans une minute, ouais, ça va aller. Donc dans le rapport du mois d'octobre l'année passée, le rapport de la plénière du comité de sécurité alimentaire, je vous ai fait par ailleurs un copier-coller. Il est téléchargeable lui aussi. Je vous ai mis en rouge les points qui me semblent importants à ce propos. Tout d'abord, le comité a approuvé le mandat. Les termes de référence et le mandat qui était donné pour l'élaboration de ces normes volontaires. Deuxièmement, il souhaite que le processus soit inclusif et ouvert à toutes les parties prenantes. Troisièmement, il insiste sur l'importance que les phases de consultation se déroulent de manière appropriée. Quatrièmement, il reconnaît qu'on n'a pas encore tous les financements pour ce processus-là et que donc il invite les membres du comité de sécurité alimentaire à compléter ces financements. Et il fixe un terme, c'est la plénière de 2020 pour une approbation. En séance, l'Allemagne, et je crois que l'Allemagne est représentée ici par quelqu'un de l'ambassade, si je ne me trompe pas, si elle a pu passer les barrages d'entrée, non, apparemment, si, voilà. Donc l'Allemagne, en séance plénière, a annoncé une contribution d'un 500 000 € pour financer ce processus de consultation. Et Madame Liliane Ortega, Suisse, a été nommée pour piloter, pour l'ensemble de la communauté, l'élaboration de ces normes volontaires et revenir devant en plénière en octobre 2020. Et concrètement, et c'est le dernier petit point, c'est bon, je suis encore dans le temps, ouais. Et donc c'est le dernier petit point, concrètement, mais ça c'est personnel, il y a bien donc 2 enjeux, c'est derrière ces normes volontaires, on n'est pas uniquement sur quelque chose qui serait de l'interdiction ou de la limitation, on est aussi sur quelque chose qui serait de la stimulation de ce qu'il faudrait faire de bien pour manger sain. Et donc, quand on parle de normes, de directrices volontaires, on peut tout à la fois inclure un engagement, un encouragement à améliorer les choses, comme une interdiction, une invitation à l'interdiction ou à la régulation de ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose, c'est ce fait de jouer à plusieurs échelles. On est ici sur un processus de négociation internationale qui doit s'imposer au niveau mondial, mais on est bien conscient que ce qu'il faut mettre en œuvre ou qui est amené à mettre en œuvre ne le sera pas nécessairement à cette échelle-là. Il peut l'être à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Et puis, des directrices volontaires, on va dire, on va peut-être même avoir l'accord de Paris sur le climat à l'esprit. Finalement, ça change quoi ? Et en quoi ? Oui, on n'est pas dans le droit contraignant, c'est sûr. Mais n'empêche que le fait même de construire ce processus de négociation et de délibérer à propos de cet objet-là a au moins 2 vertus, si ce n'est nécessairement de résoudre complètement le problème. La première, c'est qu'il permet de faire discuter, et si on est là ce matin, c'en est l'exemple, et c'était vrai aussi au comité de sécurité alimentaire en plénière en octobre, et que ça fait l'agenda. Ça permet de faire remonter les problèmes, de les identifier et à défaut éventuellement d'accord ou d'action, de les traiter. Alors bien sûr, je préfère l'accord et l'action, mais voilà, ça en fait partie. Et la deuxième, c'est que quand même, il s'impose. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser cet accord. On peut y faire référence dans des actions. On peut y faire référence dans des programmes. Que ce soit au niveau politique ou au niveau financement, il devient quelque chose qui est mobilisable
pour changer. Donc, je n'ai pas dit rendez-vous dans 10 ans, et je ne l'ai pas dit en chantant non plus, mais rendez-vous dans 2 ans, en l'espérant qu'on puisse avoir un produit sur la table et qu'on puisse, du coup, partir sur une autre période. Merci. Merci, merci mille fois, Patrick, pour nous permettre, en fait, de nous sentir partie prenante et engagée dans cette réflexion. Donc, j'avais dit juste quelques questions brûlantes. C'est brûlant, c'est des questions de compréhension, parce que ensuite nous aurons la discussion. Merci. Merci, merci beaucoup. C'était passionnant. Donc, Cyrielle Denartic du réseau Action Climat. Je voudrais bien être sûre de comprendre la cible. Ah pardon, donc je me lève. Question de compréhension. La finalité de ce rapport, j'ai bien compris que c'était volontaire, hein, elle s'adresse bien à l'État, mais est-ce que le panel des recommandations qui pourront ressortir de ce processus, même si ça va s'adresser aux États, ils auront pour finalité finalement de faire évoluer à la fois les organismes publics, mais aussi les organismes privés, les réglementations sur la publicité, etc. Alors, je le reformule juste un tout petit peu. En fait, il ne s'adresse pas aux États. Il s'adresse au Comité de sécurité alimentaire des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on nous demande, on est un organe de ce comité-là, statutairement, on nous demande un rapport et on remet le rapport. Par contre, dans nos recommandations du rapport, elles sont toutes formulées comme le Comité de sécurité alimentaire devrait faire ci, ça, ça, ça et ça. Comme la 9A, par exemple, on a dit le Comité de sécurité alimentaire devrait s'engager sur l'élaboration de normes volontaires sur les environnements alimentaires. Mais dans les conclusions, dans la série des 10 conclusions, on dit aussi nous encourageons les États à. Nous encourageons les différents acteurs du secteur privé, de la société civile à. Et donc nous ne nous empêchons pas de formuler des recommandations qui puissent être prises et mises en œuvre à différents niveaux. Mais l'interlocuteur premier est celui qui nous passe la commande. Et après, je distingue cela des normes volontaires. C'est-à-dire que notre rapport à nous n'a pas valeur de mise en œuvre directe. C'est-à-dire le rapport du HLPE, c'est pas une délibération du Comité de sécurité alimentaire. C'est un rapport que des scientifiques ont remis au Comité de sécurité alimentaire pour prendre des décisions. Et du coup, il n'a pas valeur de décision, ce rapport-là. Il n'est que suggestif et, comme je le disais, normatif. Donc il ouvre des voies et il ouvre des voies à une négociation ultérieure où les différents acteurs du CSA pourront dire « Ah bah oui, on prend ça ». Sachant qu'au CSA, il est constitué, c'est un organe intergouvernemental qui rapporte, il est basé à Rome, mais il rapporte au Conseil économique et social des Nations Unies, qui est basé à New York, et que la réforme de 2010, c'est ce que je disais, a voulu qu'il soit élargi au-delà de la représentation des États membres des Nations Unies, avec donc d'autres représentations qui n'ont pas droit de vote, mais qui ont droit d'expression, et en particulier le mécanisme de la société civile et le mécanisme du secteur privé. Merci. Nous avons une question brûlante des internautes. À quoi sert l'élargissement du champ d'action des directrices aux systèmes alimentaires entiers ? Peut-être peut-on la prendre pour la discussion générale ? Ok. Est-ce que ça vous convient si nous la prenons pour la discussion générale ? Oui, je pense que c'est une question essentielle. Donc, à la personne qui l'a posée, nous assurons que nous la prendrons pour la discussion générale. Merci, merci beaucoup Patrick. Nous avons demandé à Hervé Guyomard un exercice difficile qui est de nous ramener dans l'environnement européen et en particulier dans cette première politique commune européenne qui est la PAC. Donc Hervé Guyomard est directeur de recherche à l'INRA et spécialiste en fait de ce qu'est cette politique européenne. Donc Hervé, merci par avance de ce cadre que tu vas nous donner aussi qui va être propice à nos réflexions. Merci. Ok, merci Muriel et merci pour l'invitation. Vous verrez bien si vous dites merci à la fin, parce que je suis pas sûr. Donc, le titre que j'ai proposé reflète un peu l'embarras un peu que j'étais, bien que Patrick m'avait donné toute l'information. Voilà.
un peu volumineuse quand même, etc., malgré toutes les synthèses que tu m'avais données, etc. Mais, et en fait, je ne savais pas trop quoi aborder, parce que c'est un sujet très très vaste. Et du coup, j'ai ciblé. Alors, j'ai ciblé volontairement sur surpoids, obésité, surnutrition dans l'Union européenne, parce que je pense que c'est un enjeu majeur. Et le deuxième, de formation, je suis économiste et économiste public. Donc je travaille beaucoup sur les politiques, et en particulier les politiques agricoles au niveau européen ou international. Et donc par rapport à ce qu'a dit Patrick sur les directrices, je ne sais même pas qu'on disait ça en français, mais voilà. Moi je crois aux taxes et aux subventions, que les choses soient claires, puisque c'est en fait ce que font les économistes publics. Et donc je vais un peu aborder ces points-là. Et donc je me suis associé avec trois collègues de l'INRA, Cécile, Vincent et Louis-Georges, avec lequel on travaille dans le cadre d'une mission en fait qui est sur le futur de la politique agricole commune. Et on a beaucoup de discussions évidemment avec Frédéric et ses collègues du ministère. Alors comme j'ai beaucoup de PowerPoint, je vais passer voilà, sur la première, comme ça, voilà, mais comme ça vous l'aurez. Je vais aborder trois points. La question de la surnutrition dans l'Union européenne, les données, les coûts et les politiques aujourd'hui mises en œuvre, pour voir un peu l'efficacité ou la non-efficacité de celle-ci. Ensuite, j'aborderai une question. Est-ce qu'il y a une responsabilité en fait, des politiques agricoles, et en particulier de la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre, ou jusqu'à aujourd'hui mise en œuvre, dans cette question de surnutrition, surpoids et obésité? Et la deuxième question, ou la dernière et le troisième point donc, de l'intervention, c'est que du coup, est-ce qu'il y a une justification ou une certaine légitimité à augmenter en fait dans la politique agricole commune, son ambition et ses objectifs par la prise en compte en fait d'instruments visant à lutter contre la surnutrition, ce que d'aucuns appellent de passer en fait d'une politique agricole commune à une politique agricole et alimentaire ou nutritionnelle commune. Et j'aborderai donc cette question-là dans un troisième temps. Alors sur le premier point, je suppose que... Alors moi j'étais pas là l'année dernière, voilà. Donc, mais je suppose que vous connaissez mieux que moi, et je vais juste vous donner un peu quelques faits, quelques points en fait que nous retenons quand on analyse ensuite les politiques mises en œuvre. Donc, vous connaissez comme moi en fait la question en fait du surpoids et de l'obésité. J'ai juste mis un chiffre au niveau de l'Union européenne d'après les données de l'Eurostat. En fait, il y a plus de personnes dans l'Union européenne adultes âgées de plus de 18 ans. En situation de surpoids et d'obèse que de personnes en situation de poids normal. Et du coup, la justification de s'attaquer dans cette présentation plutôt en fait sur la question du surpoids et obèse est légitimée aussi par le fait de faible pourcentage de situations en insuffisance pondérale, donc 2,3% selon ce chiffre, et d'ailleurs qui est confirmé par exemple quand on prend les rapports de l'FAO sur la situation de la malnutrition en Europe et dans les pays d'Asie centrale. Ce qui ne veut pas dire, et je préfère dire tout de suite, hein, qu'il n'y a pas évidemment légitimité à s'intéresser à cette question-là, étant donné les différences que l'on peut observer en situation de suffisance pondérale entre pays, entre CSP, etc. Donc il y a aussi des choses à voir de ce côté-là, mais je n'aborderai pas ce point-là. Donc le deuxième point, c'est en termes de surpoids et d'obésité, retenez à peu près que ça fait plus de 50%. Il y a de fortes disparités, en fait, selon les États membres. Et là, j'ai pris la situation de l'obésité, donc qui est de 10% en Roumanie et qui est de plus de 20% au Royaume-Uni ou en Irlande. Voilà. Il y a des inégalités sociales. En gros, plus vous montez en termes de revenus, moins, en fait, vous avez de surpoids ou d'obésité. Et il y a aussi des inégalités en termes d'âge et tranches d'âge, avec une augmentation, en fait, le long du cycle de vie, sauf pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Et le dernier point que je voulais retenir, c'est que dans toutes les modélisations que l'on observe, dans tous les scénarios business as usual, quoi, si on continue selon les tendances passées, ça ne fera qu'augmenter, avec des niveaux qui vont devenir très très importants en fait dans plusieurs pays européens, l'Irlande, Malte, le Royaume-Uni, voilà, mais même en France et même en fait dans des pays considéré aujourd'hui, par exemple, par la FAO, quand on lit les rapports, comme n'ayant pas, en fait, de problème, soit de sous-nutrition, soit de surnutrition. Alors, deuxième point, ça les données, je pense que vous les connaissez mieux que moi, en fait, voilà.
je voulais parler en fait du coût que ça représente, puisque c'est en fait un point important par rapport à l'argumentaire que je vais essayer de développer tout à l'heure. Donc j'ai pris toutes les illustrations sur la France, mais on peut les faire sur les autres pays de la même manière. Et donc ce tableau-là, qui est en fait un travail fait par la direction du Trésor en 2016, vous montre en fait le coût total, le coût social, comme on appelle, du surpoids et de l'obésité, décomposé en obésité et surpoids, de l'alcool et du tabac. Alors, vous voyez que, par exemple, si vous prenez le coût social du surpoids et de l'obésité, par an, c'est 20,4 milliards, exactement, 20 milliards, on est 20 milliards. Alors, se décomposant à peu près pour moitié-moitié, avec des coûts externes, donc des pertes de production, parce que vous produisez, enfin, vous, il y a, disons, une activité qui est moindre, et aussi, évidemment, des coûts pour les finances publiques liés aux soins pris en charge, et vous décomptez, là, évidemment, des choses, par exemple, par rapport aux économies de pension de retraite que vous faites, et des choses comme ça. Et c'est à comparer, en fait, à l'alcool et au tabac. Et donc, vous voyez, en fait, que les coûts sociaux du surpoids et de l'obésité sont inférieurs au tabac, mais pas tant que ça. Voilà, de à peu près 6 milliards, et ils sont supérieurs, en fait, à l'alcool. Et du coup, le point que l'on peut regarder par rapport à ce tableau-là, c'est de regarder les recettes de taxation des trois phénomènes. Et vous voyez évidemment que le tabac est très fortement taxé, l'alcool l'est, mais pas tant que ça, mine de rien, et en fait, les questions de surpoids et d'obésité le sont presque pas. Et donc ça posera des questions quand on va analyser ensuite l'efficacité des politiques publiques. Alors troisième point, sur comment aujourd'hui on agit en fait en termes de correction quand on essaie d'agir au niveau européen sur les politiques correctrices. Alors premier point à dire, c'est essentiellement des politiques au niveau des États membres et très peu au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Et donc, du coup, ça rejoindra ma question que j'aborderai tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a légitimité à faire ça au niveau européen par rapport à ce que font aujourd'hui les États membres? Donc, ce qu'on a fait avec mes collègues, on a mis, en fait, l'ensemble des politiques dans une matrice, alors à deux colonnes et deux lignes, comme ça, là, on sort encore, nous, voilà, portant, en fait, des actions qui portent soit sur le consommateur, soit sur l'environnement alimentaire dont a parlé Patrick beaucoup, soit et en colonne des actions qui portent sur l'ensemble de la population et ou des catégories à risque. Et après, on a mis des exemples et je vais essayer de vous donner un peu une synthèse de ce que font les principales politiques selon cette matrice, en commençant donc par les campagnes d'information. Alors, je vais évidemment aller à la hache et puis je vais aller aux résultats essentiels. Je vous ai donné quelques références. Les campagnes d'information, c'est l'instrument dans les différents États membres qui a été longtemps privilégié. Il y a un impact positif, mais il est d'ampleur limitée. J'aurais pu mettre très limité, en fait. Le deuxième instrument utilisé, c'est l'étiquetage nutritionnel. C'est d'application plus récente. L'impact est positif, mais il est également d'ampleur limitée, du moins tel que c'est aujourd'hui mis en œuvre. Hein, voilà. Même si, en fait, il y a des actions plus importantes sur certaines catégories, qui sont par exemple les personnes éduquées, ce qui n'est pas forcément la première cible que l'on veut, puisque eux ont fait des comportements plus sains, entre guillemets, étant donné leur niveau d'éducation, de richesse, etc. Mais ça a aussi des impacts positifs, par exemple, plus forts sur les personnes souffrant d'allergies. Et pourquoi, en fait, l'impact, il est d'ampleur limitée? C'est parce que sur l'étiquetage, il faut... En général, on ne tient pas suffisamment compte de ce qu'on appelle la réaction de l'offre alimentaire, donc comment réagit l'offre, pour faire très simplement, à la fois en matière de prix et en matière de qualité de produit. Et là, je vous ai donné un exemple, donc les offreurs en fait, alimentaires, hein, tout le long de la chaîne, quel que soit l'offreur, vont réagir à l'étiquetage et au comportement des consommateurs dû à l'étiquetage, possiblement pour réduire les coûts, évidemment. Mais aussi, il y a une possibilité, et on peut observer, montrer des cas de dégradation de la qualité nutritionnelle, à la fois parce qu'on cherche à réduire les coûts, mais aussi parce que pour certains consommateurs, il y a un lien négatif entre la qualité nutritionnelle et le goût. En tout cas, c'est ce que montrent certains travaux. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans les politiques telles que l'étiquetage nutritionnel qui joue sur la demande et le comportement des consommateurs, il faut évidemment tenir compte de comment va réagir l'offre, de telle façon qu'on n'essaie pas d'échapper à l'excès, à la contrainte ou à ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, même tableau. Troisième type d'instrument, de façon très générale,
Donc c'est les taxes nutritionnelles, beaucoup mises en œuvre sur les boissons sucrées, dans beaucoup de pays du monde, etc., en tout cas pays dits développés ou pays de l'OCDE, avec une réactivité, en fait, comprise entre élasticité prix, quoi, entre moins 0,5 et moins 1. Ce qui est assez fort, en fait, si vous comparez, par exemple, à des réactivités des comportements à l'offre agricole ou les élasticités prix, c'est-à-dire comment vont réagir les producteurs, sont plus faibles. Et à nouveau, alors, pourquoi, en fait, il y a des pertes en ligne, si j'ose dire? C'est parce qu'à nouveau, il y a une réaction de l'offre et il y a une modification des caractéristiques des produits, à la fois des produits taxés et des produits non taxés. Et dans ce cadre-là, il y a deux enseignements que l'on retient. Si on veut plutôt cibler les produits finaux, ce qui est le cas, il vaut mieux faire des taxes d'accise plutôt que des taxes ad valorem. Voilà. Et évidemment, il faut designer, en français, construire, je ne sais pas comment dire, définir, voilà, les taxes de façon que vous incitez les firmes à réduire les teneurs en nutriments dommageables, si tant est que vous puissiez définir ceci clairement. Et du coup, quand on analyse en fait les taxes nutritionnelles, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui appliquent en fait ces principes généraux d'économie publique. Troisième catégorie de mesures, les mesures de régulation de la qualité de l'offre. Et ça, en fait, vous voyez que dans le temps, puisque c'est d'application plus récente, ben, les États, les gouvernements, etc., ont évidemment essayé de prendre en compte la réactivité de l'offre. Donc c'est plus récent. Alors là, il y a une palette immense, en fait, de possibilités, de l'interdiction pure et simple de certains ingrédients, des démarches volontaires des entreprises, des partenariats publics-privés. Donc les mesures sont plus ou moins contraignantes, ce qui fait que c'est assez difficile d'avoir une analyse synthétique. Ce qui marche plutôt bien, c'est quand vous avez en fait des mesures où vous réduisez, voire interdisez, les teneurs en nutriments dommageables et vous augmentez ceux en micronutriments et fibres. Et donc là, les modélisateurs trouvent des effets potentiellement forts sur les achats en fait des consommateurs finaux. Alors donc c'est ce que je veux dire en mettant d'après les modèles. Mais en pratique, quand on observe ce qui se passe et qu'on observe ex post en fait des expériences réelles dans certains pays, il y a des écarts potentiellement très forts entre la théorie et la pratique. D'une part parce qu'il y a des contraintes technologiques, d'autre part parce que l'offre s'adapte en développant de nouveaux produits qui permettent de s'échapper à la taxe, et enfin parce que vous avez des préférences sensorielles des consommateurs. Alors donc si je résume en quelques points. Au jour d'aujourd'hui, tel que les États membres de l'Union européenne A28 appliquent, il y a une modestie des impacts des politiques nutritionnelles, même si les effets sont plus importants dès qu'ils sont mesurés en impact de santé. Les mesures sont sans doute, en tout cas c'est ce que nous on conclut en tant qu'économistes publics, insuffisamment contraignantes ou incitatives, comme vous voulez, voilà, pour changer les comportements et aussi pour changer les valeurs, c'est-à-dire ce que les consommateurs ont avant les comportements, si j'ose dire. Mais aussi parce que vous avez des réactions de la demande est très rigide, et l'offre, comme je vous ai dit, s'adapte en fait aux réglementations. Donc en fait, il faut prendre en compte tout ça, et c'est sans doute la vision systémique, enfin c'est même certainement la vision systémique dont parlait Patrick tout à l'heure. Alors, il y a une complémentarité des mesures applicables à l'ensemble de la population, car même si les effets sont modestes, ça s'applique à tout le monde, et des mesures ciblées sur certaines catégories, où les effets sont proportionnellement plus forts, mais sur une population évidemment plus faible, puisqu'on s'intéresse qu'à certaines catégories. Et du coup, ça m'amène au point qu'au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement des actions sur la demande. On a pris de façon insuffisante les réactions de l'offre, et en particulier, on a commencé à prendre en compte la question de l'offre au stade de la transformation ou de la distribution. Et donc maintenant, je vais me poser la question de la réactivité de l'offre agricole, et en particulier des politiques agricoles là-dedans. Donc c'était le deuxième point de la présentation. C'est bon ? Cinq ? Oui, c'est bon. Du coup, je fais ça. Voilà. Alors, je passe sur la sous-nutrition. Ça, vous savez mieux que moi. Voilà. Et en fait, quand on analyse d'un point de vue de l'économie publique, dans le cours du temps, il y a eu baisse du prix de la calorie dans l'absolu, mais plus encore relativement au coût de la dépense physique qui, elle, est à la hausse. Donc ce que l'économiste va regarder, c'est comment vous essayez de corriger cela. Et donc, est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques agricoles qui auraient conduit en fait à augmenter le prix de la calorie ou à modifier la hiérarchie des prix relatifs de telle façon qu'on favorise les aliments dits non sains, si tant est qu'on puisse les définir, versus les aliments plus sains. Alors, en passant,
C'est une remarque que font beaucoup, enfin certains du moins économistes agricoles européens. Si vous analysez les réformes successives de la PAC depuis 1992, en gros, on a cherché à aligner les prix intérieurs à la production sur les cours mondiaux pour les céréales, le sucre, les viandes rouges, les produits laitiers. Ce qui fait dire à certains que c'est non conforme aux recommandations nutritionnelles par rapport, par exemple, au prix des fruits et légumes qui, de toute façon, eux, étaient très très peu soutenus. Voilà. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les travaux de recherche sur cette question-là montrent en fait qu'il y a une responsabilité des politiques agricoles sur la question. Il y a quelques travaux en Europe, dans l'Union européenne, il y en a beaucoup aux États-Unis sur la question. Voilà. Et la conclusion, c'est que les effets sont nuls, très faibles, voire en sens inverse. Voilà. Alors pourquoi ? Je vais vous l'illustrer sur la diapositive suivante, en prenant ce que fait en fait l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, je vais l'appeler l'Observatoire pour simplifier, et en décomposant l'euro alimentaire, la part en fait, la raison principale, c'est la faible part de la production agricole dans en fait le coût du produit final, puisqu'ici pour 100 euros de dépenses alimentaires, toutes dépenses alimentaires confondues, vous avez 14,6 qui va en fait à la production agricole. Alors évidemment, c'est variable selon les produits, enfin, on pourra discuter après si vous le souhaitez. Et d'autre part, si vous prenez la décomposition dans le temps en fait, de cet euro alimentaire, non seulement la part est faible, mais la part décroît. Donc l'effet, il est de moins en moins fort. Ce qui fait que la conclusion, c'est que du coup, l'effet est très faible parce que la faible part en fait, du coût de la matière première agricole dans le produit final, d'autant plus qu'il est transformé, Et du coup, la responsabilité des politiques agricoles est très très faible dans en fait ce point-là. Des politiques agricoles stricto sensu, hein, je parle. Okay. Alors, tout en soulignant ici le rôle positif qu'ont des incitations du pilier 2 de la PAC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la PAC, il y a deux piliers, je fais très vite, alors là je caricature, il y a deux piliers, il y a 85% à peu près des aides qui sont données sous forme d'aides directes aux agriculteurs, à l'hectare, et 15% à peu près qui sont données sous forme dite d'un deuxième pilier, cofinancé par les États et les régions, sur des cibles, qui sont par exemple l'environnement, mais aussi sur soutien à l'agriculture biologique, signe officiel de qualité, circuit court. Donc du coup, ça concourt positivement, en fait, en particulier via la diversité à la fois des circuits et des produits, mais grosso modo, retenez que c'est très faiblement doté, que les impacts ne sont pas automatiques et c'est difficile à évaluer. Dernier point, troisième question, du coup, est-ce qu'il y a une légitimité d'augmenter, d'avoir des politiques nutritionnelles à l'échelle européenne et en particulier de passer à une politique agricole et alimentaire ou nutritionnelle commune ? Alors, la théorie, du moins celle que moi j'utilise, du moins l'économie publique, voilà, dit il faut s'attaquer aux défaillances à la source. Si mon voisin, je veux le soutenir, je veux soutenir son revenu, le plus simple, c'est que je sorte des sous de ma poche et que je lui donne directement, pour faire très très simple. Et du coup, ici, pour les aspects nutritionnels, ça justifie que l'on agisse sur la consommation, et bien sur les comportements de demande et de consommation, en tenant compte de l'offre alimentaire, alors j'insiste, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi des difficultés que le consommateur a à connaître et gérer ses consommations de nutriments. On fait beaucoup comme s'il savait pertinemment tout ce qu'il consomme et toutes les conséquences, ce qui est archi faux. Voilà. Et donc, il y a à prendre en compte ça dans les modélisations. Comme je vous ai dit, les politiques sont essentiellement nationales. Du coup, alors, est-ce que c'est justifié ? Et la réponse est oui, en fait. Alors, ça peut être soumis à débat. Alors, la première, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'externalité spatiale. C'est ce que vous consommez, vous. Enfin, moi, je suis breton, donc en Bretagne, versus en Allemagne, dans Roumanie. Alors, à l'exception des effets frontières, entre la France et l'Allemagne, la Belgique et la France, par exemple. Deuxième raison, c'est parce que nous sommes hétérogènes en matière de régime et de préférence. Donc, l'application d'une politique au niveau européen, de toute façon, devrait être déclinée selon ces régimes et ses préférences. Et troisième argument, parce que dans l'état actuel de construction de l'Union européenne, le coût du surpoids et de l'obésité sont pris en charge par les États membres. Donc ça laisse une place limitée à une évolution de la PAC vers une politique agricole et alimentaire commune. Sauf sur les points suivants. Ah, il faut que j'accélère, voilà. Hop, ouais, j'accélère.
sauf sur René Colgras, je fais un peu comme Patrick, je mets beaucoup de textes, mais René Colgras, voilà. Un, sur le caractère universel des recommandations nutritionnelles, qui doivent être définies à l'échelle européenne, à défaut de pouvoir l'être aujourd'hui au niveau du monde, quitte ensuite à les décliner au niveau des États membres en fonction des préférences et des régimes. Ça peut être mis en œuvre à la PAC, dans la PAC, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres politiques dans lesquelles vous pouvez le mettre au niveau européen. Et ensuite, il y a deux axes que l'on considère comme étant prioritaires d'action. C'est la consommation et la production de fruits et légumes pour avoir en même temps des bénéfices nutrition, santé et environnement. La même chose pour les légumineuses à graines et pour les fibres. Et je voudrais terminer par ça, parce qu'après, sinon, on va croire. Voilà, et je vais lire. Alors, même si les enseignements de la théorie économique, voilà, laissent in fine peu de place à une politique nutritionnelle commune à l'échelle européenne, à l'exception notable de l'étiquetage et d'actions ciblées sur les produits sains, légumes, fibres, etc., l'ampleur et le coût social du surpoids et de l'obésité justifient pleinement des politiques nutritionnelles fortes aux échelles nationales et régionales, et je conclurai par beaucoup plus fortes, sans doute, que ce qui est aujourd'hui mis en œuvre. Merci. Grand merci Hervé pour cette plongée dans des formes de réalité, en même temps un cours de et une leçon d'économie. Donc vous voyez en fait toute la gymnastique que nous devons faire dans tous les changements d'échelle et dans toutes les formes de considération. Merci Hervé. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questions, mais je ne prendrai à nouveau que les questions brûlantes pour pouvoir réserver en fait les éléments ensuite d'échange pour la discussion. Hervé, nos internautes non plus. Hervé, merci. Merci beaucoup. Reste avec nous pour la discussion parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges. Nous allons débuter la table ronde et à nouveau dans la table ronde, à la fois nous allons revenir sur ce qui s'est passé toute cette année et les formes de et comment finalement les formes de concertation politique ont pu se mettre en place et ensuite commencer à ouvrir vers des propositions pour que nous puissions ensuite discuter et réfléchir sur finalement comment on se sent mobilisé dans la conception de ces directrices. Moi, je ne connaissais pas non plus le mot directrice, mais je pense que nous en discuterons aussi. Et donc, nous avons... nous avons proposé à Céline Place, qui est sous-directrice adjointe du développement humain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de faire la première intervention. Vous êtes spécialisée en histoire et également en sciences politiques. Vous avez été conseillère politique en particulier aussi à Beyrouth. Vous êtes aujourd'hui à l'administration centrale. Et nous sommes demandé finalement, vous qui faites partie et qui avez fait partie des travaux du groupe interministériel pour la sécurité alimentaire et qui avez été mobilisé en fait dans toute cette année de négociation suite au rapport. Eh bien, finalement, comment se sont passées ces négociations et pour pouvoir, en fait, faire partager avec nous tous les éléments d'échange que vous aviez pu avoir pour arriver à cette recommandation dans la conception des directrices nationales. Merci beaucoup, Muriel Mambrini, pour cette introduction et puis pour votre invitation. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je suis ici aujourd'hui autant pour apprendre, sans doute beaucoup plus que pour vous donner des informations. Vous l'avez dit, moi je viens d'arriver à la direction du développement durable au ministère des Affaires étrangères, dans cette sous-direction du développement humain que vous connaissez peut-être, qui s'occupe principalement des questions de santé mondiale, d'éducation, d'égalité homme-femme et, la raison de ma présence aujourd'hui, de sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable. On a un pôle qui compte 6 personnes dédiées à ces questions, avec des gens qui viennent du ministère de l'Agriculture, des gens qui viennent du secteur privé ou de la société civile, et puis des experts comme Nawal Shahid qui est là, qui a suivi, elle, en effet, toutes ces négociations que vous évoquez, au sein du GISA en particulier, qui était intervenu ici l'an dernier et qui sera
j'espère, disponible pour répondre aux questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je fais ce petit rappel parce que voilà, ça ne va peut-être pas de soi de deviner quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères sur les questions de sécurité alimentaire et nutrition. Le point de départ pour nous de la réflexion, c'est vraiment la question du développement durable et de l'action internationale de la France, notamment sur l'agenda 2030 sur les ODD. Avec l'ODD 2 qui est dédié à la question de la lutte contre la malnutrition. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, la malnutrition touche encore plus de 800 millions de personnes, 821 millions, et c'est un chiffre qui augmente au lieu de régresser comme c'était le cas dans le passé, avec deux causes majeures aujourd'hui, principales, le problème des conflits d'une part et le problème des phénomènes climatiques extrêmes. Donc l'approche du ministère, évidemment, c'est d'essayer, sur la question de la lutte contre la malnutrition, d'avoir une vision globale et de le lier aux autres efforts politiques de la France sur la question, par exemple, du climat. Les problèmes de malnutrition sont aussi des problèmes spécifiques pour les enfants, avec un chiffre lui aussi assez... très important, plus de 151 millions d'enfants qui souffrent de retard de croissance en 2018. C'est un chiffre qui, dans certaines zones du monde, est plutôt à la hausse également, en particulier en Afrique. Et 50 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par une malnutrition aiguë. Vous l'avez dit, je ne vais pas en reparler, ça se cumule aujourd'hui à des problèmes, y compris dans les mêmes familles ou les mêmes pays, de surpoids et d'obésité, qui s'ajoutent à cette problématique. Parallèlement à cette question de la malnutrition, il y a la question des systèmes alimentaires. Et dans la réflexion qui est engagée, on doit prendre en compte les effets des systèmes alimentaires aussi sur l'environnement. Donc le problème parfois de la surexploitation des ressources naturelles, le problème de certains systèmes qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre, ou bien tout simplement l'impact du changement climatique sur certains systèmes alimentaires. Donc la réflexion, c'est d'arriver... dans la lutte contre la malnutrition à travers l'adaptation des systèmes alimentaires, de bien prendre en compte la notion de système alimentaire durable, également en termes d'environnement. Cette réflexion et cet effort, il peut se faire que dans la recherche d'une réponse globale et coordonnée. Vous avez posé tout à l'heure la question de l'engagement des États, en fait, à quoi ? Donc c'est une vraie question, puisqu'on est dans la réflexion qui implique aussi et qui engage les États et les systèmes diplomatiques, mais ensuite l'étape vers la mise en œuvre est très complexe. Quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir quand même négocier et discuter dans un cadre global, y compris en prenant en compte dès le départ les divergences, c'est de toute façon la seule façon d'évoluer vraiment sur ces questions. Je l'ai dit tout à l'heure, le cadre dans lequel on réfléchit, il y a deux grands cadres, l'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015, et cet agenda autour des objectifs de développement durable, adopté la même année, avec l'ODD 2 sur l'élimination des formes de malnutrition. Je fais un petit aparté pour dire que ce cadre de réflexion, il est aujourd'hui aussi porté par la France dans de nombreuses instances. Et il va également alimenter les travaux ou les efforts de la France dans le cadre de sa présidence du G7, qui va commencer en janvier 2019, toute l'année, et qui nous donne la capacité, la possibilité en fait, d'essayer de mettre en avant un certain nombre de questions. Il y aura une ministérielle développement, en principe, et... ces questions de sécurité alimentaire notamment seront abordées dans ce cadre. J'ajoute que la France s'est engagée depuis un moment à le faire et les travaux devraient aboutir à mettre à jour sa stratégie sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable. Je pense que parmi vous, certains participent à la réflexion ou attendent de voir ce texte. En tout cas, c'est en train d'aboutir. Et ça permet aussi de renouveler notre réflexion à l'international sur ces questions. Rapidement, je vais évoquer les deux grands outils dont dispose la diplomatie française pour agir sur les questions de sécurité alimentaire. Le premier outil, c'est l'aide alimentaire programmée,
Je crois que Nawal Chaïd l'avait présenté l'an dernier. Rapidement, je le rappelle. Donc, c'est une enveloppe qui était de 35 millions d'euros, qui devrait augmenter pour l'année 2019 autour de 40 millions d'euros, qui est gérée en comité interministériel d'aide alimentaire, donc qui implique en particulier le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires étrangères, l'AFD, et qui permet en trois étapes au cours de l'année d'allouer des financements aux pays qui connaissent des crises en fait liées à des situations d'urgence ou d'insécurité alimentaire chronique, des crises alimentaires graves. L'intérêt de cet outil, c'est sa flexibilité et sa réactivité, c'est-à-dire que c'est vraiment les ambassades et donc le réseau des acteurs locaux qui fait remonter les besoins dans les postes et surtout les situations dans lesquelles les besoins sont les plus mal couverts par l'aide internationale. Ce premier outil est orienté également, pas seulement sur de l'aide alimentaire, mais aussi sur le soutien aux systèmes locaux pour permettre de soutenir en fait l'activité de production et de commercialisation locale, donc qui doit renforcer aussi la capacité des pays à faire face à leurs difficultés alimentaires, et qui a un autre objectif de soutien à l'alimentation des enfants et des femmes enceintes notamment. L'autre volet de notre action à l'international, enfin les moyens dont on dispose, c'est l'AFD qui les met en œuvre, avec un mandat d'améliorer durablement la situation des ménages ruraux et urbains, un travail sur l'évolution des systèmes agricoles vers des pratiques plus productives, équitables, écologiques et résilientes. Donc le financement de très nombreux projets, un chiffre très global, par exemple en 2016, plus de 600 millions d'euros engagés par l'AFD étaient destinés sur les questions de sécurité alimentaire au sens large en Afrique. À côté de ces outils, donc, la France a une action diplomatique sur ces questions et elle est engagée dans plusieurs cadres et instances. On a cité et on reparlera du comité de la sécurité alimentaire à Rome. La France s'est beaucoup engagée, notamment dans la réforme de ce CSA, et continue à penser que c'est un cadre indispensable et efficace pour faire avancer une réflexion collective appropriée par les États sur les questions de sécurité alimentaire. Donc il y a un soutien politique et financier, mais modeste, sur l'action du CSA chaque année par la diplomatie française. On est actif également dans d'autres cadres que vous connaissez, la plateforme globale des donateurs pour le développement rural, par exemple, ou le mouvement Scaling Up Nutrition. Maintenant, je vais venir peut-être plus à la question des négociations. Donc, globalement, l'approche française vise à soutenir l'amélioration des systèmes agricoles et alimentaires en soutenant le développement rural et l'agriculture familiale. L'agriculture familiale fournit 80% des denrées alimentaires mondiales. C'est un cadre en fait également de soutien économique aux familles, de sécurisation de leur situation alimentaire et de stabilisation également du monde rural. Donc ça reste un paradigme sur lequel la France est engagée et qu'elle continue à essayer de promouvoir. Vous connaissez ça très bien, mais l'action diplomatique, elle se matérialise principalement à travers la représentation permanente de la France à Rome, qui intervient auprès des trois agences romaines, le Programme alimentaire mondial, la FAO et le CSA. Les positions françaises, elles se sont matérialisées sur la négociation dont on parle autour de principalement trois points que vous avez évoqués tout à l'heure, Patrick Caron. La question de l'inclusivité, on souhaitait que le CSA ait le temps de mener à une négociation la plus inclusive possible, et donc en prenant deux années si c'était nécessaire. Garder une approche large, vous l'avez dit, sur les systèmes alimentaires, et anticiper la prendre en compte la question des freins et des obstacles. Les positions françaises, elles sont consolidées
dans un cadre interministériel ouvert à la société civile, au secteur privé, à la recherche, si je ne me trompe pas, qui est le GISA, le groupe interministériel pour la sécurité alimentaire, qui est une structure qui a été créée en 2008, qui reste active, qui se réunit tous les trois mois et qui permet aussi une appropriation au niveau français de l'action internationale et inversement une appropriation par la diplomatie des priorités aussi de tous les acteurs en fait de la question de la sécurité alimentaire. Voilà, je crois que j'arrive à... J'ai dépassé de quelques secondes. Et je vais en rester là, en fait. On va peut-être ouvrir sur la discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Page. Maintenant, je demande à Monsieur Frédéric Lambert, qui est chef du service Europe et international à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Votre service est chargé d'élaborer les positions françaises et de participer aussi aux négociations européennes et internationales. Et nous sommes et nous vous avons interrogé sur la place des normes finalement, puisqu'on revient quelque part aux normes au sein du ministère. L'importance du travail, des travaux de concertation qui peut être fait dans le cadre de l'élaboration des normes et finalement les expériences du ministère de l'Agriculture sur lesquelles il est possible de capitaliser dans le cadre de cet exercice qui est demandé sur la suite. Merci par avance de votre présentation. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez bien décrit effectivement mes activités qui consistent à suivre en fait et coordonner pour l'ensemble du ministère toutes les questions relatives à ce qui se fait au niveau européen, en particulier évidemment sur la politique agricole commune, mais aussi dans les organisations internationales et notamment tout ce qui se passe au niveau de la FAO, du CSA, etc. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement déjà, la question des normes, c'est évidemment au cœur de l'action du ministère de l'Agriculture. Et moi, ce que je retiens de ce qui a été dit ce matin par Patrick, mais aussi par Hervé Guyomard, c'est que ces questions-là, en fait, elles ne peuvent s'aborder que selon une approche globale et systémique. Alors, c'est ce qui en fait évidemment toute sa complexité pour les acteurs publics et pour les politiques publiques, mais c'est ce qui leur donne effectivement un sens. Et cette approche globale, je pense qu'il faut l'avoir au niveau des thématiques, au niveau des acteurs, dans la concertation avec les acteurs, et il faut l'avoir aussi, en tout cas essayer de l'avoir au niveau des différents échelons géographiques sur lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on essaye en tout cas d'être le plus possible cohérent dans ce qu'on fait au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Alors, pour donner un exemple, peut-être, qui est dans l'actualité, cette démarche-là, cette approche globale, c'est celle qui a prévalu dans les états généraux de l'alimentation et donc qui ont donné lieu à l'élaboration d'une loi. Donc ça a été une démarche effectivement multi-acteurs et avec 14 ateliers. Donc 14 ateliers où on a traité à la fois des questions de création de valeur, de répartition de valeur, mais tout ce qui tourne aussi évidemment des systèmes alimentaires durable, les questions sanitaires, les questions de bien-être animal, enfin bref, tout ce qui rentre dans le scope en fait de la production et de l'alimentation. L'idée de départ, c'était de dire que si effectivement on veut aller vers des systèmes plus durables et notamment accompagner la transition donc de notre agriculture vers des systèmes plus durables, plus résilients, pour faire face aux multiples défis auxquels il est confronté, il faut déjà, la première chose, c'est qu'il faut que les agriculteurs, donc les acteurs qui sont les premiers concernés, puissent dégager un revenu de leur activité, donc création de valeur. Il faut que cette valeur qui se génère tout au long de la chaîne alimentaire, elle soit mieux répartie. Donc il y a un axe répartition de la valeur. Et c'est ça. Ça fait partie des conditions essentielles pour pouvoir effectivement mener cette transition. Alors si on regarde les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi,
Ça vous donne, si vous regardez, je vous invite à aller regarder donc, le site internet du ministère de l'Agriculture. Il y a des infographies qui sont assez bien faites, assez pédagogiques. Alors déjà, ce que vous pouvez souligner, c'est que le titre de la loi reflète bien cette approche. C'est-à-dire que c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Donc on englobe effectivement l'ensemble des sujets. Et donc vous avez des dispositions dans la loi qui visent à permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne et avec une meilleure répartition de la valeur. Donc c'est toutes les dispositions sur la construction du prix, l'élaboration des référentiels effectivement des indicateurs de coûts, les seuils de revente à perte, etc. Vous avez des éléments sur les conditions sanitaires et environnementales de production, sur l'alimentation saine et durable. Et vous avez aussi, par exemple, des dispositions sur l'approvisionnement de la restauration collective, et notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette démarche-là, donc globale, c'est celle qui a prévalu dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Cette démarche, cette association des acteurs, on souhaite aussi la promouvoir dans d'autres enceintes, évidemment. Donc il y a le CSA. Le CSA, effectivement, la France a été quand même assez, je dirais, proactive pour, je dirais, relancer ce comité de sécurité alimentaire donc, en 2011. Et puis, au niveau national, ça a coïncidé avec la mise en place du GISA, donc le groupe interministériel donc sur la sécurité alimentaire, où on a effectivement une discussion avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, cette approche globale, elle se fait aussi au niveau, il faut la raisonner, au niveau géographique, donc français, européen, parce que c'est quand même un peu lié, pas surtout, mais c'est quand même un peu lié, et puis au niveau international. Alors, pour ce qui est, donc ce que je vais essayer de vous dire, c'est en gros un peu ce qu'on fait et ce qu'on va essayer de faire. Alors, au niveau français et européen, donc déjà, je pense que ce qu'il faut indiquer, comme je l'ai dit, donc les normes, ça fait partie un peu de l'ADN du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais ça, ces normes-là, elles sont plutôt définies au niveau européen. Enfin, en tout cas, toutes les normes d'application obligatoire en matière sanitaire, ça définit, je dirais, un encadrement réglementaire qui est quand même assez, assez fort, donc pour l'ensemble, pour garantir en fait la sécurité sanitaire des produits. Vous avez également des normes volontaires. Des normes volontaires, ça veut dire des systèmes, par exemple, de certification des produits, des systèmes, tout ce qu'on met sous le vocable des signes officiels de qualité, donc nos appellations d'origine, les indications géographiques de provenance, etc., la bio. Et donc ça, effectivement, c'est un élément important dans toute la réflexion qu'on peut avoir sur une alimentation durable. Alors, au niveau plus, je dirais, national, même si je ne suis pas un spécialiste de la question, c'est plutôt la Direction générale de l'alimentation, mais il y a quand même une expérience française. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unique au monde, évidemment, mais elle est. À mon avis, on communique insuffisamment sur l'expérience qu'on a en la matière, mais à chaque fois, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué dans les discussions qu'on a au niveau international, à chaque fois que vous allez voir d'autres pays, ils sont toujours très intéressés par toutes les démarches qui sont menées en France, dans le cadre, par exemple, du Programme national de l'alimentation. Et donc, tout ce qui concerne les programmes alimentaires territoriaux, tout ce qu'on fait en matière de restauration collective, donc je l'ai déjà cité tout à l'heure, il faut savoir que dans la loi EGA, on oblige effectivement à ce que la restauration collective, à horizon 2022, s'approvisionne à hauteur de 50% en produits, alors soit sous signe de qualité, donc les produits bio, les produits avec un approvisionnement local. Donc tout ça, c'est quelque chose effectivement qui est important. Et derrière, Patrick Caron a parlé des questions d'environnement alimentaire. Effectivement, derrière tout ça, les questions d'environnement alimentaire, elles sont essentielles. Le bio, par exemple. Alors on dit beaucoup que ça revient plus cher effectivement de s'approvisionner en bio. Peut-être, mais c'est pas forcément le prix du produit qui va être déterminant, c'est plutôt toute la logistique en fait
d'identification, de repérage et de circuit d'approvisionnement qui va peut-être effectivement avoir un impact sur le coût. Il y a des dispositions sur le gaspillage alimentaire, il y a des dispositions pour favoriser le don alimentaire, pour améliorer l'information du consommateur. Et puis, il y a tout un volet éducation, formation. On l'a bien vu dans les slides qui ont été présentés par Hervé Guillaumard. C'est vrai que l'éducation joue un rôle aussi et très important donc vis-à-vis des comportements alimentaires. Donc voilà au niveau national. Alors au niveau européen, je vais un tout petit peu parler de la politique agricole commune parce qu'on est aussi dans l'actualité. Donc il y a une réforme en cours. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir au sein de la future politique agricole commune, ce sont toutes les dispositions qui vont favoriser les transitions, les transformations de l'agriculture. Transformation, je dirais, pour une meilleure structuration, organisation des filières. Donc dans la lignée des EGA où on vise effectivement à ce que la production soit mieux organisée, à ce que on puisse accompagner la montée en gamme donc des productions. Et on essaye aussi de défendre toutes les dispositions qui vont favoriser la transition écologique. Et notamment, une des grandes nouveautés donc, dans la proposition de la Commission, même si c'est un peu technique, c'est l'introduction d'un éco-régime, on appelle ça un éco-scheme dans le jargon européen. Et cet éco-scheme, c'est une partie en fait, des aides directes que les États membres vont pouvoir utiliser pour mieux rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on porte beaucoup. Au départ, on était très isolés, mais petit à petit, on arrive à effectivement associer et avoir des alliés sur cette position-là. On cherche aussi à favoriser, et en tout cas soutenir tout ce qui est prise de risque. Parce qu'évidemment, quand on cherche à favoriser la transition, c'est compliqué, ça prend du temps, et puis ça ne marche pas tout le temps. Et donc, il y a nécessairement un facteur risque à prendre en compte. Ce facteur n'était pas pris en compte jusqu'à maintenant dans les dispositions de soutien donc, qui sont mises en place au niveau de la politique agricole commune. On essaye effectivement de faire en sorte que cette fois-ci, ça puisse se faire. Et puis, on a des dispositions donc, sur le deuxième pilier de la PAC, donc là, le développement rural, qui permettent aussi de favoriser, d'inciter, de soutenir les démarches, par exemple, comme les programmes alimentaires territoriaux. On a aussi des dispositions dans la PAC pour favoriser la consommation de fruits et légumes. Il y a les fruits et légumes dans la récré. Il y a quand même des montants importants qui sont consacrés par l'Union européenne sur ces questions-là. Alors, pour terminer, donc on a fait le tour de la France, de l'Europe. Maintenant, au niveau international. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une position évidemment le plus possible cohérente sur tous ces sujets-là, y compris au niveau international. Et là, ça se complique. Ça se complique parce que dans les négociations internationales, il y a les négociations commerciales, donc que ce soit au niveau multilatéral, au niveau de l'OMC, au niveau des accords de libre-échange, où c'est quand même la Commission donc, qui négocie, puisque c'est sa compétence exclusive. Et donc, on essaye, nous, de faire porter notre voix, d'abord au niveau français, donc dans l'interministériel, et puis après, essayer de faire porter ces positions au niveau européen. Et nous, ce qu'on défend, c'est ce qui figure en fait dans le plan d'action CETA, c'est essayer de faire en sorte que les accords commerciaux prennent davantage en compte tout ce qu'on met derrière le développement durable, les réglementations sanitaires, phytosanitaires, tout ce qu'on met derrière un vocable qui est très difficile à traduire, mais qui s'appelle le level playing field, c'est-à-dire en gros essayer de trouver des conditions de concurrence équivalentes, parce que c'est ça, en fait, actuellement l'enjeu. On l'a bien vu dans les discussions donc du groupe de travail sur le plan d'action CETA. L'enjeu, il est là. Si vous lisez dans la presse ce qui se passe actuellement sur le Brexit, l'enjeu, il y a un enjeu très fort là-dessus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va autoriser, en quelque sorte, le Royaume-Uni à diverger réglementairement, comme elle l'entend, par rapport à ce qui se fait dans l'Union européenne. Donc là, il y a un enjeu majeur, effectivement, un enjeu majeur pour nous. Et puis, je terminerai sur
les organisations internationales, donc le CSA, comme j'ai dit, donc ça c'est le CSA, on y croit, le HLPE aussi, on a un agent effectivement qui a beaucoup travaillé là-dessus, mis à disposition par le ministère de l'Agriculture, on va renouveler effectivement cette mise à disposition. Virginie Hossein, qui est ici présente dans la salle, travaille d'arrache-pied effectivement pour défendre ses positions, les positions du ministère de l'Agriculture dans cette enceinte, qui est une enceinte multi-acteur. Et pour nous, c'est très positif que la nutrition, les questions donc qui ressortent du rapport HLPE, soient remontent en fait dans l'agenda. Alors tu l'as dit, Patrick, ce sont des lignes, alors, je ne sais pas si on dit directrices ou lignes directrices, peu importe. C'est un produit majeur. Alors, dans le jargon, c'est important, c'est un produit majeur, ça veut dire qu'effectivement, il y aura des lignes directrices, certes, elles sont volontaires, mais après, je pense que il y aura toute une action diplomatique, notamment au niveau de la FAO, par exemple, pour faire en sorte que les organisations internationales s'emparent de ces lignes directrices et derrière, les États. Et je pense que là où la FAO peut sans doute faire mieux, c'est dans la promotion effectivement de ces lignes directrices et dans le suivi de ce que les pays, en font. Et je terminerai là-dessus. Je parle de la FAO. Vous le savez sans doute, la France a présenté une candidature, une candidate donc au poste de directrice générale de la FAO, donc Catherine Gélin-Lanéel, qui devait intervenir aujourd'hui, mais qui est déjà dans une campagne très 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 active et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Je pense que c'est un signe aussi de l'importance que la France accorde à ces sujets-là et de ce qui est très important aussi à souligner, c'est que cette candidature, elle est non seulement française, mais elle est européenne. Elle a été soutenue par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et je pense que sur ces questions de système alimentaire, l'Union européenne a une vision qu'il me paraît important de faire valoir et de promouvoir dans les enceintes internationales. Merci. Merci. Merci, Monsieur Lambert. Je crois qu'on voit effectivement et on discerne de mieux en mieux pourquoi on parle des systèmes alimentaires plutôt que de l'environnement alimentaire. Mais nous allons revenir sur des questions de risques et d'opportunités aussi en termes de réalisation, puisque merci Madame Martin de nous avoir rejoint. Vous êtes directrice sciences et nutrition Europe à Danone Nutritia Research. Votre formation initiale est l'écologie, donc toutes les approches systèmes. Vous les connaissez et vous travaillez vraiment au développement de la nutrition, de la stratégie nutritionnelle en Europe, fondée aussi sur des evidence-based, je dirais, sur des propositions scientifiques et sur la capacité en fait à travailler avec les porteurs d'enjeux à la fois au niveau interne et au niveau externe. Donc merci beaucoup de votre intervention aujourd'hui. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais juste apporter une petite précision. En fait, depuis quelques mois, j'ai changé de fonction et j'ai intégré en fait l'équipe Public Affairs au niveau du groupe international et je suis à présent en charge du plaidoyer pour la santé et la nutrition. Et j'avoue que toute l'expérience que j'ai acquise au sein de la recherche et développement précédemment m'est extrêmement utile pour avoir une idée de la réalité des choses en termes d'activation des solutions. Je ne sais pas ici quel est le niveau de connaissance de l'audience sur Danone. Donc, en deux mots, Danone est une société qui est historiquement ancrée dans la santé, qui a été, dont le fondateur avait créé en 1919 les premiers yaourts Danone avec une demande des médecins qui cherchaient une solution pour les enfants qui souffraient de diarrhée. Et qui avait comme connaissance que le yaourt pouvait apporter une solution thérapeutique. Et donc le produit était vendu en pharmacie. Bon, bien sûr, depuis, il a fait son chemin. Et c'est devenu un produit grand public, mais qui reste profondément ancré dans la santé. De cet héritage, on a élaboré notre mission, qui est d'apporter la santé à travers l'alimentation au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a à peu près 900 millions de consommateurs de par le monde, dans plus de 120 pays.
donc effectivement une grosse entreprise internationale, mais qui reste profondément ancrée au niveau local pour répondre vraiment aux attentes et aux besoins des consommateurs dans chaque pays. Compte tenu des enjeux aujourd'hui environnementaux, il a aussi une semblé absolument indispensable d'élargir notre vision, en fait, à pas seulement l'alimentation et la nutrition, mais aussi aux problématiques environnementales. Et l'an dernier, nous avons décidé de redéfinir, enfin en tout cas de définir une vision qui s'appelle maintenant One Planet, One Health, considérant que la santé est profondément interconnectée avec l'environnement et qu'on ne peut pas aborder un sujet sans aborder l'autre. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir une approche systémique de l'alimentation à travers, qui va depuis l'environnement, les systèmes alimentaires, la santé, la nutrition, et de façon absolument holistique. Donc vous pourrez comprendre facilement que avec cette philosophie-là, nous sommes aujourd'hui totalement supportifs de cette initiative du CFS, qui nous semble absolument cruciale pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons face. D'un côté, les problématiques de malnutrition, les impacts sur la santé, mais aussi prendre en compte le poids que la production alimentaire aujourd'hui exerce sur les ressources naturelles qui sont en train de s'épuiser et également face aux enjeux de changement climatique. Donc, ce qui nous a paru particulièrement intéressant dans cette initiative du CFS, c'est de pouvoir aborder les deux facettes du sujet, la problématique nutritionnelle et santé, mais aussi intégrer la dimension de durabilité à travers les systèmes alimentaires. Et pour ce faire, en fait, nous avons été actifs au sein de ce qu'on appelle donc le système le mécanisme du secteur privé, dont nous faisons partie, et qui peut, à travers donc des discussions entre acteurs du secteur privé, faire des propositions pour prendre en compte les enjeux, les idées, le savoir-faire, les connaissances du secteur privé. Et donc, nous avons, durant l'année qui vient de s'écouler, activement participé à l'élaboration des termes de référence en faisant des propositions très concrètes qui pouvaient être ensuite été partagées au mois de juin, si je ne m'abuse, dans le cadre de la préparation des réunions du mois d'octobre. Juste vous donner quelques exemples très concrets de ce que nous faisons déjà chez Danone, puisque nous, en fait, le secteur privé a, je dirais, l'avantage de pouvoir être réactif et de travailler sur un temps plus court. Parce qu'on est aussi face aux pressions de nos consommateurs qui parfois nous demandent des choses finalement aussi de façon très rapide. Et donc, l'intérêt effectivement du secteur privé est de pouvoir commencer à agir finalement même avant que les politiques ne se mettent en place. Et au sein de Danone, on a déjà effectivement mis en place très concrètement tout un ensemble d'actions. Et je vais reprendre les trois axes qui ont été cités, qui nous semblent effectivement des piliers fondamentaux. Donc la production, l'environnement alimentaire et le comportement des consommateurs. Donc pour donner quelques exemples, au niveau de la production, nous croyons beaucoup à l'avenir de ce que nous appelons l'agriculture régénératrice. Ce concept, en fait, est un concept qui également est holistique et qui considère que la production alimentaire ne devrait pas dégrader notre environnement, qu'il soit purement biologique ou social, mais au contraire être capable de créer de la valeur. Et donc ça veut dire mettre en place des pratiques agricoles qui permettent de régénérer les services écosystémiques, par exemple en réduisant le labour, en diversifiant les cultures, en enrichissant le sol en matière organique, de façon à améliorer la rétention de l'eau, la libération d'engrais naturels, etc. C'est également une approche qui ne se veut pas uniquement basée sur les systèmes biologiques, mais également beaucoup plus sociale. Également permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leur revenu. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on a été très actifs dans les discussions des États généraux de l'alimentation sur cette problématique des revenus des agriculteurs, puisque nous avons mis en place depuis maintenant une trentaine d'années des principes de contrat avec nos producteurs de lait, de façon à leur assurer un revenu digne, quelles que soient les conditions du marché du prix du lait. Sur l'aspect environnement alimentaire, également nous sommes très actifs dans ce domaine-là. Nous avons par exemple, il y a 2 ans, publié des engagements nutritionnels à 2020, qui en fait aujourd'hui conduisent à des gros programmes de reformulation de nos produits
de façon particulière à réduire les quantités de sucre et améliorer globalement la qualité nutritionnelle de notre offre alimentaire. Par ailleurs, nous avons assez précocement soutenu le système d'étiquetage nutritionnel en face avant de l'emballage, Nutri-Score, que vous connaissez probablement tous. Je pense que nous avons été la première entreprise privée, enfin une des premières entreprises privées à soutenir ce système d'étiquetage que nous avons donc démarré en France et que nous promouvons de façon extrêmement active dans d'autres pays de l'Union européenne, comme en Belgique, donc qui maintenant a été endorsé par le ministère de la Santé belge. Et nous l'avons fait également de façon unilatérale en Allemagne. Nous allons le faire en Autriche, également en Suisse. Et aujourd'hui, et très récemment en Espagne également, il est endorsé par le gouvernement espagnol. Et nous sommes effectivement très en soutien de ce déploiement au niveau européen. Et enfin, dernier point sur l'aspect comportement des consommateurs. Nous sommes également très engagés dans des campagnes, par exemple, pour aider les consommateurs de boissons sucrées à évoluer vers un mode de consommation plus sain. En proposant d'abord ce qu'on appelle des aquadrinks, qui sont des produits, des boissons sucrées beaucoup moins sucrées que les soft drinks habituels. Mais in fine, l'idée est de les emmener vers la consommation d'eau. Et pour ça, on a en fait toute une palette de solutions possibles. Par exemple, pour les enfants, d'utiliser des petites mascottes sur les bouteilles d'eau qui rendent cette offre extrêmement attractive pour les enfants et qui leur permettent de passer assez facilement de consommation de boissons sucrées vers la consommation d'eau. Voilà pour Danone. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas... Une minute. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus pas seuls en tant qu'entreprise agroalimentaire et que d'autres entreprises aujourd'hui ont pris conscience de ces enjeux, de transformer les systèmes alimentaires. Et nous avons créé une coalition qui s'appelle Fresh, qui est pilotée par le World Business Council on Sustainable Development, basée à Genève, dans laquelle on va retrouver des gros acteurs comme Nestlé, Unilever, Kellogg's, PepsiCo... mais également d'autres acteurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production d'engrais, la production agricole, la transformation et puis également la distribution. Et nous avons une vision commune au sein de ce groupe d'environ 40 entreprises aujourd'hui de absolument soutenir l'évolution du système alimentaire vers un système alimentaire à la fois sain et durable, qui soit compatible avec les limites environnementales. Un dernier mot pour terminer. Je pense qu'il est vraiment important qu'on ait tous en tête que si on veut arriver à mettre en place des solutions rapidement, parce que l'urgence est là, je pense que Nicolas Hulot l'a bien rappelé hier soir, l'urgence est là, il faut absolument qu'on soit capable de travailler tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est à la fois du point de vue des thématiques, donc être capable de croiser des thématiques de nutrition, d'alimentation, d'agriculture, d'environnement. On voit effectivement qu'au niveau européen, autant il existe des DG santé, environnement, agriculture, mais il n'existe pas une direction générale alimentation, et c'est effectivement peut-être là où le bât blesse. Et puis également de travailler, de casser des silos entre acteurs. Et nous sommes extrêmement demandeurs, nous, de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres organisations, parce qu'on sait que le changement d'échelle ne se fera qu'à cette condition-là. Bien sûr, il va falloir gérer de façon correcte les problématiques de conflit d'intérêts. Mais je pense qu'à partir du moment où on peut avoir un objectif commun, absolument partagé, on peut absolument adresser cet enjeu-là. Voilà. Merci Madame Martin et merci pour votre message. Monsieur Brochard, vous êtes d'Action contre la faim, vous êtes chargé de plaidoyer sécurité alimentaire, Action contre la faim, donc toutes les étapes de négociation, vous les avez également suivies. Vous faites partie aussi du groupe interministériel sur la sécurité alimentaire. Votre formation est en sciences politiques et en géographie, mais totalement concentrée sur les questions de coopération internationale, d'action humanitaire et de politique de développement. Ce que vous savez ajuster, c'est à la fois les questions d'agroécologie et la caractérisation des dynamiques spatiales. Et donc, vous travaillez aussi beaucoup
dans le plaidoyer pour une transition agroécologique et l'adoption de systèmes alimentaires sains, durables et nutritifs. Donc, à nouveau, nous voulions vous interroger aussi sur votre perception de ce dispositif de concertation et aussi sur les messages que vous portez. Merci beaucoup. Juste une petite clarification, je ne vais pas prendre la parole au nom d'Action contre la faim, mais je vais prendre la parole au nom de deux comités, qui est le comité agriculture et alimentation de coordination sud, et au nom du mécanisme de la société civile, du comité de la sécurité alimentaire mondiale, au même titre que le secteur privé, il y a un mécanisme de la société civile et il y a un groupe de travail système alimentaire et nutrition. Donc c'est au nom de ces deux organismes que je prendrai la parole. 5 minutes, c'est assez court, donc je vais principalement structurer ma prise de parole en deux parties. La première, ça va être le retour de la société civile par rapport au rapport du HLPE, Système alimentaire et nutrition. Et la deuxième, c'est notre contribution et notre point de vue sur l'étape des négociations et sur les lignes directrices Système alimentaire et nutrition qui vont commencer à être rédigées en janvier. Concernant le rapport du HLPE qui nous a été présenté tout à l'heure, rapidement, on avait deux principales critiques en tant qu'organisme de la société civile. Le premier a trait à la classification des systèmes alimentaires qui sont présentés selon une évolution qui est présentée comme linéaire entre d'un système alimentaire traditionnel à un système alimentaire moderne. Il y a plein de classifications des systèmes alimentaires et on pense que c'est assez parti pris en fait de montrer une évolution qui serait comme ça linéaire et comme si on tendaient tous vers le même système alimentaire. Si on prend un exemple, juste en France, il y a différents types de systèmes alimentaires. Si on prend l'exemple des chaînes de valeur du bio, si on prend tout ce qui est structuration des AMAP, ce sont des systèmes alimentaires en tant que tels, avec des modes de pratique, des modes de production qui leur sont propres. Et la deuxième critique, qui est le deuxième problème qu'on avait principalement avec ce rapport du HLPE et les débats qui ont suivi, c'est une concentration des débats et un accent qui a principalement été mis sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Notre perception, c'est que ça a été fait à défaut d'une concentration et d'une réflexion aussi sur le droit de ces consommateurs et sur les producteurs alimentaires et les travailleurs agricoles. Si on regarde le but de ce rapport, c'est de réformer les systèmes alimentaires pour lutter contre la faim, pour lutter contre la sous-nutrition. Si on regarde dans la réalité, si on regarde les chiffres, qui souffre de cette faim et qui souffre de cette malnutrition ? Je parle de sous-nutrition. Principalement, à 55% des personnes souffrant de la faim, ce sont des petits producteurs ou des petits éleveurs. Ce sont des personnes qui travaillent eux-mêmes la terre, mais qui n'ont soit pas les savoirs, soit pas les bonnes infrastructures, soit pas le bon soutien, en fait, pour réussir à se nourrir, pour réussir à avoir accès au marché. Le problème de la sécurité alimentaire, c'est un problème d'accessibilité au marché et c'est un problème d'infrastructure, avant d'être un problème de consommation. Et notre réflexion par rapport à ce rapport du HLPE et ce qu'on défend notamment dans ces négociations, c'est qu'il faut absolument avoir une réflexion et avoir des arguments qui sont mis en place par rapport au volet production agricole. Donc nous faisons partie, comme l'a dit M. Caron, des acteurs qui avons poussé pour changer d'un focus sur environnement alimentaire à un focus sur système alimentaire dans son ensemble, avec effectivement une réflexion sur le volet production. Ça, c'était nos commentaires par rapport au rapport du HLPE. Par rapport aux négociations à venir et par rapport aux positions qu'on va défendre, trois points. Le premier, c'est que, comme il a été dit, il y a trois systèmes alimentaires qui ont été présentés dans le rapport du HLPE et nous souhaitons ne pas construire nos contributions en fonction de cette classification, mais plutôt voir comment accompagner chacun de ces systèmes alimentaires vers une transition pour les rendre plus durables et pour les rendre plus nutritifs. Donc nos contributions vont plutôt être de mettre en avant des propositions sous chacun des volets des systèmes alimentaires pour essayer d'en améliorer la capacité nutritionnelle et la durabilité. Le deuxième point, je fais assez rapidement pour nous laisser le temps pour avoir des questions. Deuxième point concernant nos positionnements, nous pensons que quelles que soient en fait les initiatives ou les idées qui sont présentées dans ces lignes directrices pour des systèmes alimentaires durables et nutritifs, elles doivent être centrées sur quatre
principes majeurs et elles doivent prendre en considération quatre thématiques majeures. La première, c'est leur impact sur le changement climatique. Quand on pense système alimentaire, si on regarde les documentations sur le système alimentaire moderne, par exemple, on voit que c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, quelle que soit l'initiative pour les rendre plus durables, pour les rendre plus nutritives, leur impact sur le changement climatique sont absolument clés. La deuxième, c'est de se centrer sur un respect des droits humains, et particulièrement le droit à l'alimentation, bien entendu. Ensuite, c'est de prendre en considération l'équité des genres. Et enfin, de se centrer sur une réalité, de prendre en considération une réalité qui est la réalité du changement démographique, particulièrement dans les pays du Sud. Nous avons besoin de mettre en œuvre et de pousser des initiatives, des modèles et des solutions qui répondent aussi à une forte demande d'emploi dans ces systèmes alimentaires. Et il faut trouver aussi l'équilibre entre les deux. Enfin, concernant les solutions que nous, on va pousser, elles sont en cours de construction, donc je vais conclure là-dessus, mais si on doit en citer trois qui, pour nous, sont clés, bien entendu, ça va être une réflexion poussée sur tout ce qui est transition agroécologique, avec un soutien marqué sur les pratiques agroécologiques comme pratiques permettant d'assurer un emploi, de minimiser les impacts environnementaux, de maximiser l'adaptation comme l'atténuation sur le changement climatique, etc., etc., etc. La deuxième, ça va être sur le volet nutritif, de vraiment pousser une approche favorisant la diversification alimentaire comme la principale approche alimentaire pour lutter contre la sous-nutrition. Et le troisième volet, bien entendu, ça va être de s'inscrire dans un respect et une compréhension des cultures et des traditions alimentaires qui sont locales. On ne peut pas considérer qu'il y a un système alimentaire global qui va pousser un régime alimentaire globalisé et mondial. Il y a plein de différenciations, il y a plein de cultures, il y a plein d'aliments traditionnels, de manières de cuisiner les aliments qui maximisent certains types de nutriments dans certaines situations. C'est quelque chose qu'il faut valoriser, c'est quelque chose qu'il faut pousser. Donc, sans ces différents points, en tant que société civile, on pense que ces négociations auront du mal à aboutir et auront du mal à avoir un impact sur le long terme, un impact durable et un impact efficace sur la lutte contre la faim. Merci beaucoup. Grand merci à vous tous. Je pense que ça nous permet de vraiment continuer à travailler sur les pistes que vous avez identifiées. La table ronde est ouverte aux questions et aux interactions que vous pourriez avoir, à vos propositions, à vos... Oui, bonjour, Sandrine Espeillac, AFNOR. Je voudrais apporter un éclairage sous deux angles. Premièrement, sur normes volontaires. Donc l'AFNOR, c'est peut-être une autre voie qui n'a pas été encore citée ce matin. Donc AFNOR, ce sont des normes volontaires françaises ou internationales ou européennes, les normes ISO par exemple. Donc premier éclairage. Deuxième éclairage, l'influence de la France. La France est leader en matière de normalisation volontaire à l'ISO sur l'agroalimentaire. C'est la France qui pilote le comité ISO agroalimentaire, secrétariat présidence. La présidence, c'est le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, Paul Mennessier. Et on a lancé un projet de normes ISO, donc porté par la France, sur les responsabilités sociétales et le développement durable dans la chaîne alimentaire. Donc c'est plus large que les aspects nutritionnels, mais je tenais à vous le signaler, puisque c'est vraiment la France qui pilote ce projet. La FAO participe, de nombreux pays aussi autour de la table, publics, privés. Peut-être que ce serait bien de faire le lien avec le comité dont vous avez signalé les travaux ce matin. Merci. Merci de votre proposition. Est-ce que nos internautes ont des questions, des propositions ? Peut-être qu'on peut relancer la question de tout à l'heure ? Alors, à quoi sert l'élargissement du champ d'action des directives aux systèmes alimentaires entiers ? Alors, je commence, mais je pense que ça a été une vraie question. Je vais me lâcher.
J'étais pas partie prenante de la négociation, j'étais jusqu'au point du rapport et de sa mise en, débat, et en acceptant les règles et le jeu. Personnellement, moi, le fait que j'étais pas partie prenante ne m'empêche pas de penser et d'avoir une opinion. Et donc, moi, j'étais plutôt contre, à titre personnel, cet élargissement. Et je l'explique de la manière suivante. Je pense qu'en ciblant sur les environnements alimentaires, on avait ciblé sur un levier particulier où l'action publique pouvait avoir un effet fort. Et on avait ciblé sur quelque chose dont on espérait, dans un premier temps, un effet transformateur, quitte à ce qu'ensuite il puisse s'élargir au-delà dans d'autres domaines. Et c'était donc plus par souci d'efficacité au vu de l'analyse que réellement par volonté d'embrasser le champ, parce que vous l'avez vu, le rapport a une vision, enfin propose une vision systémique et holiste. Tout le monde l'a repris, tout le monde en est conscient. Et il était, quand j'exprime cette position-là, qui est une position personnelle que je n'avais pas exprimée, je ne dément absolument pas le besoin d'avoir une vision générale et de s'intéresser à l'ensemble des composantes du système alimentaire et en particulier aux trois piliers. Mais du coup, je pense qu'en termes de négociation politique, il aurait été plus efficient de se centrer sur un objet particulier dans un premier temps. Aujourd'hui, et je l'ai dit, je ne suis pas intervenu dans les débats ni la négociation, ce n'était pas mon rôle. Mais aujourd'hui, j'espère me tromper. Mais quand j'exprime cette position, c'est de peur que, en cherchant à élaborer en cherchant à élaborer des lignes directrices sur l'ensemble des systèmes alimentaires, c'est-à-dire depuis la production jusqu'au choix de consommation, on s'y perde un peu et on perde en capacité à produire quelque chose qui soit transformateur. Encore une fois, je le redis, c'était ma position et j'espère me tromper. Est-ce que vous voulez commenter au niveau des acteurs de la table ronde sur parce qu'on voyait bien les raisons de cet élargissement. Et après, j'ai une question là-bas. Oui, juste en complément, sur le volet, je me suis déjà exprimé sur le sujet, donc c'est vraiment sur le volet politique. C'est la première fois depuis 2008 au sein de ce comité sur la sécurité alimentaire mondiale qu'il y a un rapport du HLPE et des lignes directrices qui sont pensées, qui traitent en fait de l'aspect nutritionnel de la faim dans le monde. Et c'est pourquoi c'était aussi très important pour nous de ne pas limiter, en termes de société civile, de ne pas limiter l'approche sur un aspect environnement. Traditionnellement, il y a différents rapports du HLPE qui sont produits chaque année, il y a différentes lignes directrices ou produits qui sur lesquels débouchent ces rapports. Les négociations pour aboutir à ces lignes directrices peuvent aller jusqu'à 4 ans. On a eu déjà des négociations qui ont duré 4 ans sur les directives volontaires sur le foncier, par exemple. Ce qui nous était proposé, en fait, sur l'approche environnement en un an, etc., ça nous paraissait, en fait, assez minime par rapport à ce qu'on pouvait faire sur un pas de temps un peu plus long. Et donc, du coup, c'est pour ça, je suis entièrement d'accord que 2 ans pour traiter l'approche système alimentaire dans son ensemble, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Mais ça nous paraissait ça nous paraissait vraiment une occasion manquée en fait de limiter l'environnement alimentaire, surtout en termes de pas de temps politique en tout cas. Oui, il y avait une question. Peut-être juste réagir par rapport à ça. Juste dire qu'effectivement, ce qu'on a bien vu, c'est qu'il faut une approche globale, que tout ça c'est très complexe. Mais après, les lignes directrices quelque part, c'est aller un peu vers l'action. Et donc, ce qu'il faut arriver à concilier, c'est compliqué, c'est effectivement arriver à prendre en compte en fait tous les aspects, parce que il faut avoir une cohérence entre les différents éléments de politique publique qu'on met en œuvre. Mais en même temps, il faut aussi arriver à cibler les sujets, les questions qui peuvent être abordées par les politiques publiques. Donc ça, je pense que ça sera vraiment un enjeu assez majeur dans la discussion qu'on va avoir sur les lignes directrices.
Merci. Oui, moi c'est un autre sujet, donc je ne sais pas si ce sujet est fini. Oui. Allez-y. Je travaille pour développer la vente en vrac donc en France, dans le but d'avoir une consommation durable et responsable, donc axée sur des circuits courts, etc. J'ai deux questions pour ici. La France est aussi en avance et on est beaucoup sollicité par tous les pays frontaliers qui se développent aussi. On fait face à des freins réglementaires et donc on mène des actions de lobbying auprès des autorités. Donc c'est voir comment faire pour intégrer éventuellement des groupes de travail ou avoir accès à ce qui existe déjà. Et la deuxième chose, on a beaucoup parlé de comportement. Donc nous, c'est aussi éduquer le consommateur. Et voir comment on peut agir là-dessus, est-ce qu'il existe déjà des dispositifs et comment on peut avoir de l'info et intégrer ces milieux-là. Voilà, merci. C'est pas moi qui vais répondre sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que vous devriez aller voir la commission. Enfin, sur vos deux questions, ils ont énormément de choses déjà. Quoi. Il ne faut pas vouloir refaire ce qui existe déjà. Qui rejoint aussi la question de tout à l'heure hein, sur environnement versus système. Il faut répondre. Oui. Sur l'éducation des consommateurs. Je ne suis pas le spécialiste de la question pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais je suppose qu'il y a des groupes, il y a des groupes de travail donc, qui existent sur un certain nombre de sujets. Après, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter auprès de nos collègues de la Direction générale de l'Alimentation. Après. Juste un point sur la partie éducationnelle. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que savoir ne suffit pas pour changer les comportements. Donc c'est bien sûr, c'est bien de pouvoir avoir le pourquoi des choses, mais ce qui aujourd'hui fait changer les comportements des consommateurs, c'est de faciliter le choix dans leur environnement alimentaire et rendre finalement la solution qu'on souhaite la plus souhaitable, la plus facile à choisir. Donc ça va être par, bien sûr, de l'accessibilité physique, l'accessibilité économique, ce qu'on va appeler le nudging, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les consommateurs fassent un minimum d'efforts pour aller vers ces choix-là. Et je pense que c'est vraiment à travers ces leviers-là qu'on peut faire changer les choses. Après, il y a aussi, nous, un phénomène qu'on constate qui est récent, hein, c'est aussi les nouveaux comportements de ce qu'on appelle les millennials, hein, donc cette jeune génération qui demain aura à adresser les enjeux climatiques et payer la facture finalement des générations antérieures. Je pense qu'ils ont une façon aussi de raisonner qui est assez différente et c'est probablement un pilier sur lequel il faut s'appuyer pour faire évoluer rapidement les comportements alimentaires parce que les valeurs qu'ils mettent derrière leurs choix sont assez différentes de celles qu'on a finalement l'habitude d'utiliser. Par exemple, ils mettent beaucoup d'importance au bien-être animal quand ils choisissent des produits d'origine animale. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude dans les générations plus âgées de mettre en avant dans nos choix. Donc je pense que s'appuyer sur cette nouvelle génération est intéressant. Regardez un peu comment ils réfléchissent. Merci. Patrick ? Et en complément, moi non plus, je suis pas un spécialiste à proprement parler, mais on a tendance à penser deux choses aujourd'hui par rapport au comportement des consommateurs. Un, qu'il y a une évolution inéluctable, genre plus le revenu augmente, plus la consommation en produits d'origine animale va augmenter. J'en donne juste un exemple, avec des règles qu'on pense absolument inéluctables. Et l'autre, c'est que justement, pour changer quelque chose, il nous faut l'éduquer, le consommateur. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la seule ou la bonne approche. Même si je le dis comme ça, c'est que je pense même que c'est peut-être pas. Je pense que quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on a des ruptures absolument profondes. Je ne vais pas vous citer les noms des mouvements de consommateurs aujourd'hui, vous les savez tous. Mais on a des ruptures extrêmement profondes des comportements des consommateurs. On est en train de vivre quelque chose d'absolument majeur, où on passe du spectre de « on n'aura pas assez à manger » au spectre de « on est en train de nous empoisonner ». Il suffit d'ouvrir les journaux tous les matins.
Et donc ça, ça génère des choses absolument, vraiment très profondes, qui sont loin de la répétition de ce qu'on a connu auparavant. Du coup, j'en profite pour dire, dans la typologie et dans l'évolution sur les systèmes alimentaires, à plusieurs fois dans le rapport, on dit non, c'est pas, ça se passera pas forcément comme ça, non, c'est pas forcément inéluctable, non, c'est pas forcément prédéterminé. Hein, donc, voilà. Et la typologie, même si j'avais dit l'année dernière au même endroit que les termes, je les aimais pas moi non plus. Mais voilà, on est loin de ça. Et du coup, on n'est pas dans une posture où il faudrait qu'on regarde le consommateur en l'éduquant ou en l'informant, quel que soit le terme qu'on cherche, mais justement en comprenant quelles sont les transformations profondes qui sont en cours et comment on les accompagne. Et entre autres, comment on les accompagne par de l'information, de l'intelligence, et en particulier l'intelligence par rapport à des sources d'information qui, aujourd'hui, je ne néglige pas l'intérêt de la diversité des sources d'information, bien au contraire, mais où aujourd'hui, on ne sait plus toujours où donner de la tête et comment relier les différentes sources d'information les unes aux autres. Oui, alors, il y avait Hervé qui voulait intervenir. Effectivement, vous, nous avons des questions des internautes et j'avais envie aussi de vous recommander de regarder le travail qui est réalisé sur cette question-là aussi par le groupe de travail du Fonds français sur l'alimentation qui vraiment combine en fait cet ensemble de dimensions aussi. Du coup, de façon très concrète, ce que je vous suggère, c'est vous m'envoyez un mail au sein de l'INRA, c'est ce que je connais le mieux quand même. On a un grand programme pluridisciplinaire sur les comportements alimentaires qui associe l'économie, la sociologie, les sciences du goût, la nutrition, épidémio, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est, les gens étudient en fait cette question-là. Et donc je pense qu'après, ils pourront vous orienter avec où ils travaillent, les entreprises, des associations, etc. Et ce qu'ils cherchent en fait à comprendre, c'est les comportements et comment on influence les comportements et les valeurs qui sont derrière les comportements. Comment vous passez des comportements aux valeurs, et vous avez beaucoup moins besoin d'incitation dès lors que dans votre comportement, vous avez changé les valeurs. Et c'est l'éducation joue tout autant sur les comportements que sur les valeurs sous-jacentes. Merci. Mon intervention s'intègre tout à fait dans le débat actuel. Donc Cyrielle Denartic du réseau Action Climat. Ma question portait sur le programme national Nutrition Santé. Et ça répond en partie aussi à votre question. Donc il va être présenté, d'après les informations qu'on a pu avoir par le ministère de la Santé, en décembre. Et à partir de décembre, et pendant environ 6 mois, il va être mis en consultation. Donc c'est un moment aussi où on peut se prononcer et prendre part au débat public sur les recommandations nutritionnelles, d'une part, mais en plus sur comment on fait percoler ces recommandations nutritionnelles. Et alors là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, pour l'instant, analyses qui ont été faites des précédents programmes nutrition santé sont très critiques et je vous conseille notamment la lecture d'un rapport de l'IGAS à ce propos. Donc du coup ma question initiale c'est voilà, on va avoir ce nouveau PNNS 4, on devrait le rendre plus fort, plus budgété, plus outillé. Quelles sont vos positions sur ce PNNS et même est-ce que le PNNS ne devrait pas davantage s'imposer aux autres politiques publiques et par exemple, et vous l'avez abordé dans votre présentation, ne devrait-elle pas permettre de réglementer davantage la publicité et en particulier la publicité agroalimentaire à l'heure d'écoute des jeunes enfants? Des réponses rapides. Bon, je ne le suis pas de près, hein, le programme. Donc j'aurai pas un avis là-dessus, j'aurai juste une remarque incidente. Enfin, ce que vous avez dit va complètement dans le sens de ce qu'on suggère. Et dans le même temps, moi, ce que j'ai présenté, c'est une enceinte de discussion et de négociation au niveau intergouvernemental, pas au niveau français, pas au niveau national. Et en le prenant par l'absurde, vous avez vu que je vous ai... Enfin, moi, le but de ce que je vous ai dit, c'est que on a mis déjà 6 ans à se mettre d'accord entre la formulation de la requête et l'élaboration des lignes directrices. S'il faut attendre 6 ans
pour qu'ensuite les États commencent à réfléchir et délibérer, ça ne va pas le faire. Et donc, du coup, on ne parle pas de processus qui sont séquentiels. C'est ça que je voulais dire, ou pas nécessairement. C'est-à-dire, rien n'empêche, bien au contraire, d'avoir ce genre de discussion, ce genre d'échange, ce genre de débat au niveau national, au niveau des collectivités territoriales, au niveau, et de voir comment ces différents processus peuvent converger. Si dans deux ans, au moment de la plénière du comité de sécurité alimentaire, la Voix de la France peut annoncer que telle ligne a été prise, telles orientations ont été suggérées, la mise en délibération a permis de... Ce serait phénoménal au niveau intergouvernemental. Le propos n'était pas de suggérer que va se surimposer ici un cadre qui s'imposerait à ce qui est en train de se discuter ou de débattre au niveau du programme national, mais bien plutôt de soulever l'intérêt de la convergence de ces différentes évolutions et des lignes forces qu'on retrouve, voire apparaître, et qui traduisent probablement l'urgence des questions à traiter. Oui, monsieur Lambert. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le PLNS, donc à la place du ministère de la Santé, simplement pour vous dire que dans le cadre des discussions donc, sur les états généraux de l'alimentation, il y a eu effectivement une volonté de faire des ajustements en matière de gouvernance, pour mieux articuler en fait le PNNS avec le programme national de l'alimentation. Et donc ça, c'est typiquement ce sur quoi on travaille actuellement. Donc il y a aussi une nouvelle version du programme national d'alimentation qui est en cours de d'élaboration. Et évidemment, on veillera tout particulièrement à intégrer ce programme, ce plan en cohérence avec le PNNS. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, mais ça rebondit sur ce qui était dit précédemment, c'est qu'il faut faire attention, je pense, et ça Patrick Caron l'a soulevé, c'est que de plus en plus, dans les enceintes internationales, en tout cas dans certaines d'entre elles, on véhicule l'idée que l'alimentation, effectivement, ça devient un facteur de risque. Et c'est plus un facteur de progrès, de développement, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose... à quoi il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire pour autant, évidemment, qu'il faut sous-estimer toutes les questions qui ont été soulevées liées à la sous-nutrition, à la surnutrition, mais pour autant, il faut faire très attention à ne pas véhiculer le message comme quoi, par construction, l'alimentation serait finalement une prise de risque pour le consommateur. Merci. Nous avons deux questions des internautes et ensuite, je crois que nous avons commencé 10 minutes en retard, mais nous avons un peu débordé sur les temps. Donc je demanderai, Patrick, à ce que tu nous donnes peut-être quelques petits éléments pour qu'on reparte avec un certain nombre de messages avant de donner la parole à Daniel Leroux, le directeur du Fonds français pour l'alimentation. Merci beaucoup. Première question, la transparence des filières ne serait-il pas le meilleur moyen d'initier les changements des comportements alimentaires ? La transparence des filières. Et la deuxième question, le temps que vous réfléchissiez. Alors, deuxième question, est-ce que les intervenants pourraient donner leur point de vue sur en quoi ce processus peut faire émerger les sujets agricoles et alimentaires dans les discussions climatiques ? Je remercie aussi l'internaute. Donc, je vous demande de vous préparer. Je demanderai peut-être à chacun son propre point de vue, comme ce qui me permettra de clore cette table ronde. Merci à l'internaute. Mais auparavant, la question de la transparence. Je vais essayer de répondre sur transparence des filières. La réponse est oui. Plus vous avez de l'information sur ce qui se passe et une information qui est fiable, robuste, validée, etc., sur l'ensemble des filières, mieux vous vous portez, mieux vous pouvez porter, enfin, avoir un changement de comportement ou baser vos comportements sur une information qui est fiable. Alors, la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que l'information demandée pour analyser tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, les aspects nutritionnels, les aspects santé, les aspects environnementaux, est très très grande. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, ce qui permet en fait d'avoir des affirmations
sur ça, ça a des effets positifs, ça, ça en est pas. Et du coup, on n'écoute pas quand la recherche dit aujourd'hui, on ne sait pas où il y a des choses en fait, qui peuvent être positives comme être négatives, et les avis sont très tranchés. Et ça, ça nuit ça nuit beaucoup au changement de comportement. Donc oui, à la transparence, mais il faut que l'information reste un bien commun et qu'elle soit validée de telle façon que chacun ne puisse pas exprimer ce qu'il veut, en fait, sur cette dite information. Et pour moi, c'est un point essentiel. Et du coup, ça rebondit sur un point qui me semble, moi, très, très fort et qui est très clair dans l'ensemble des discussions, etc. C'est que, je répète toujours ça, si on remet tout à chaque fois, en fait, c'est aussi un moyen pour ceux qui ne veulent pas traiter les vrais problèmes de ne pas le faire ou d'utiliser ça pour ne pas le faire. Voilà. Et du coup, je suis aussi, alors je moins spécialiste que Patrick, et bien de la question, je pense qu'il aurait mieux valu rester sur les environnements alimentaires plutôt qu'élargir à nouveau, où vous allez avoir des débats qui vont durer, je pense. Quoi, voilà. Alors qu'il y a urgence pour agir. Et d'autre part, et je terminerai par là pour moi, les comportements, certes, il faut jouer sur le long terme par l'éducation, la formation, etc. À court terme, il faut des incitations, qu'elles soient positives ou négatives. L'économiste a parlé aussi. Oui, peut-être deux mots sur la transparence. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une attente extrêmement forte de la part des consommateurs, tant à la fois sur ce qu'ils vont trouver dans leurs produits que sur la façon dont ce qui est dans leurs produits a été élaboré, d'où effectivement viennent ces ingrédients. Donc nous, en tant qu'industriels, il est notre devoir effectivement d'informer les consommateurs le plus possible sur ce qu'il y a dans le produit et de la façon dont ces ingrédients ont été élaborés. Après, la difficulté, alors c'est assez facile quand on parle de qualité nutritionnelle. Aujourd'hui, on a des standards partagés par tous, donc on peut effectivement apporter une information. Sur la liste des ingrédients, on a aussi des normes, enfin des réglementations qui nous permettent d'expliquer les listes des ingrédients. Mais encore faut-il qu'on puisse aussi expliquer à quoi servent ces ingrédients, parce que finalement, des ingrédients qu'on trouve sur nos étiquettes, on les utilise pour certains aussi dans nos cuisines. Et quand ils sont dans nos cuisines, on les trouve absolument pas effrayants, alors quand on les trouve sur l'étiquette d'un produit, on trouve ça absolument effrayant. On se rend plus compte que c'est finalement la même chose quand on utilise de l'amidon pour faire une béchamel chez soi que dans un produit industriel. Et donc là, il y a une vraie problématique de compréhension. Et ensuite, il y a la transparence sur la filière. Et là, parfois, on peut se heurter aussi à des problématiques de quels indicateurs on peut utiliser pour expliquer, synthétiser tous ces enjeux-là. Je prends juste un exemple. Je parlais tout à l'heure de bien-être animal. Comment est-ce qu'on peut exprimer auprès du consommateur tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans la filière animale pour faire en sorte d'assurer le bien-être animal? C'est une question très compliquée. Je pourrais prendre un autre exemple qui est les droits humains dans la partie production. Comment est-ce que je peux résumer le fait que j'ai respecté les droits humains à travers un ou deux indicateurs faciles à comprendre et qui encapsulent l'ensemble des dimensions? Ce n'est pas extrêmement... Enfin, là, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas les réponses aujourd'hui et la recherche un rôle clé à jouer pour éclairer aussi cet aspect-là de comment transmettre des informations fiables, qui ne soient pas des opinions, je suis bien d'accord avec toi Patrick là-dessus, mais qui soient vraiment le reflet d'une réalité concrète. Merci Madame Martin. Sur la deuxième question. Exactement, et donc je vais faire le tour de l'ensemble des participants. Oui, la deuxième question, et ça nous permettra de clore cette table ronde, et je terminerai par Patrick. Voilà. Je commence du coup. Deux réponses. Les enjeux de faim et de changement climatique sont intimement liés. S'il y a eu un rapport là, qui est sorti en septembre dernier par la FAO, enfin la plupart des agences des Nations Unies, qui s'appelle l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde, qui montre que l'agriculture est une des premières causes du changement climatique, mais aussi une des premières victimes. Et qu'actuellement, le changement climatique est en train d'hypothéquer 10 ans de progrès dans la lutte contre la sous-nutrition, et c'est un des principaux facteurs explicatifs pourquoi est-ce que la faim augmente depuis 3 ans. Ces lignes directrices au sein du CSA sont bien entendu un des endroits où on peut lier
ces deux sujets qui sont système alimentaire et changement climatique. Et c'est quelque chose qui va être fait et qui, de toute façon, est à l'agenda et dans les termes de référence et a été mentionné dans le rapport également. Après, pour moi, et je parle là en mon nom, je pense qu'il y a un besoin d'utiliser cette instance qui est le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale pour essayer de le relier aussi aux instances traitant du changement climatique pour essayer de faire ce lien en dehors d'une instance traitant uniquement de la sécurité alimentaire. Je pense par exemple à la CNUC et je crois qu'actuellement le lien et la prise en considération d'une approche sécurité alimentaire au sein des négociations de la COP24 ne sont pas totalement abouties et ne sont pas énormément à l'ordre du jour. Donc je pense qu'effectivement mettre en avant le CSA est une solution pour faire ce lien. Madame Martin, le dernier mot. Un petit commentaire. Donc, juste par rapport à ça, en fait, pour votre information, le panel international sur les changements climatiques travaille actuellement sur un rapport sur l'utilisation des terres et qui inclut une dimension sur la sécurité alimentaire. Donc je pense que le lien commence à effectivement émerger. On verra ce que ça donnera. Et Patrick connaît bien le sujet. Alors sur les deux points, alors le premier donc concernant le changement climatique, évidemment, on ne peut pas parler d'agriculture, d'alimentation, de système alimentaire durable si on n'aborde pas la question du changement climatique. Ça a été identifié, enfin Céline Place l'a dit, comme un des deux éléments majeurs en fait, avec les conflits, donc une des causes majeures donc d'insécurité alimentaire. Donc lors de la COP24, il va y avoir aussi des événements sur l'agriculture, sur l'agroécologie, donc à l'initiative notamment de la France, sur la protection des sols. Donc on voit bien que tout ça, ça fait partie du sujet. Et évidemment, dans les discussions qu'on va avoir sur les lignes directrices, la lutte contre le changement climatique, ça fera partie du sujet. Deuxième sujet, enfin c'était plutôt la première question, c'était sur la transparence des filières. Alors tout dépend de ce qu'on entend par transparence. Il y a un aspect effectivement information du consommateur, étiquetage, etc. Bon là il y a déjà des choses, peut-être qu'on peut aller plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quand même un certain nombre de choses qui existent. Et je crois que en tout cas les états généraux de l'alimentation et la loi qui vient d'être votée apportent un certain nombre de progrès en la matière. Déjà, on a demandé à toutes les filières d'établir des plans stratégiques. Ces plans stratégiques, ils sont publics, ils sont sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc vous pouvez aller vous y référer pour justement avoir une idée un petit peu de ce sur quoi réfléchissent les filières et quelles sont leurs orientations stratégiques. Après, il y a des dispositions pour améliorer la transparence, je dirais, sur la construction du prix avec des référentiels indicateurs. Enfin, ça, c'est toute la partie économique. Et puis, il y a la partie transparence, je dirais, sur l'étape de transformation et toutes les dispositions qu'on peut avoir sur l'étiquetage, sur le bien-être animal. Il y a aussi des éléments dans la loi qui vont dans le sens d'une plus grande transparence. Voilà. Merci. Patrick, pour terminer, alors, si tu veux bien. Sur transparence. Par an, un petit mot de chaque question ou pas du tout? Oui. On est très court en temps, là, on a très dépassé. Alors, très court sur chaque question et puis encore plus court sur la fin. Sur la transparence, en fait, quand on dit transparence, c'est aussi derrière qu'on a à l'esprit des questions comme les conflits d'intérêts ou la symétrie des pouvoirs et les rapports de force. C'est ça qu'on a à l'esprit. Je ne parle pas de la transparence de l'information sur l'aliment. Et juste pour rappeler que le rapport suivant du HLPE, le numéro 13, il est sur les partenariats multi-acteurs et il pose la question de savoir justement comment des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs publics, donc qui sont des acteurs privés, peuvent être impliqués dans la production de biens publics sous la forme de partenariats et de financement. Et il pointe la manière dont les acteurs publics peuvent jouer un rôle dans l'organisation de cette production de biens publics comme la sécurité alimentaire. Et en gros, la conclusion est de dire oui, c'est une piste pertinente à suivre. Ce n'est pas la panacée, ça ne marche pas dans tous les domaines et il y a des conditions pour que cela marche. Donc voilà, je vous invite à le lire. Après, sur changement climatique, le rapport, alors je ne sais plus son numéro à lui, mais en 2012, il était absolument paradoxal que l'agriculture ne soit et le changement climatique ne soient pas traités ensemble. Et ça depuis 15 ans. Et il y avait de bonnes raisons pour ça.
C'est pas uniquement parce qu'on l'a pas vu, puisqu'on savait l'importance des émissions et les bonnes raisons. Elles tiennent à la volonté de certains pays de garder une souveraineté alimentaire, aux négociations qu'il y a sur le financement de l'adaptation versus le financement de l'atténuation. Elles tiennent aussi au fait que certains pays ne veulent absolument pas voir la question du climat pénétrer la question des échanges et du commerce à l'échelle internationale. Il y a des bonnes raisons. Donc tout ça, ça a mis du temps, ça pénètre. Progressivement, il y a eu un rapport du HLPE en 2012 qui a été une petite goutte d'eau dans ce processus-là, qui fait que petit à petit, on en parle effectivement dans les COP. En Pologne, il va y avoir un groupe de travail qui va commencer à travailler sur ce sujet-là. Le rapport de l'IPCC, du GIEC, il fait effectivement référence. Au cours des 2-3 COP précédentes, on a vu monter la puissance et l'importance des side events. Donc on sent qu'il y a un agenda qui est en train de se faire. Et en retour, par rapport aux lignes directrices, il serait bien évidemment incompréhensible qu'elles ne fassent pas référence au changement climatique. Et après, pour finir, l'enjeu là, tel qu'on m'y avait invité il y a un an, c'est de vous donner rendez-vous dans 2 ans, mais surtout de dire qu'il risque de se passer beaucoup de choses et qu'on y soit prêt, et que cet échange-là, ce débat-là, c'est celui-ci qui va alimenter à la fois au niveau français, mais vous l'avez vu également par d'autres intervenants qui interviennent directement au niveau international, ce qui peut se jouer dans 2 ans, et en espérant que ça puisse être un pas en avant. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tous nos orateurs. Merci de votre participation. Merci aux internautes. Et je vais laisser la parole maintenant au directeur du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Je pense que ça va aller au travail. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous tous d'être venus nous parler un an après le premier exercice, et d'ailleurs... Patrick part, mais rendez-vous dans 2 ans, Patrick. Hein. Tu as bien fait de le dire. Alors, d'accord. Un ou deux mots quand même pour vous dire que il y aura à veiller à la cohérence des différentes échelles. Finalement, les normes alimentaires, elles se déterminent, elles s'élaborent. Au niveau international, il y avait l'ISO tout à l'heure qui a parlé. Instance internationale normative. Et puis il y a, pour les sujets de qualité-sécurité en France, évidemment l'échelle communautaire, européenne. Et puis il y a la compétence résiduelle des États, bien entendu. Et donc on a finalement 3 échelles où se déterminent les normes, où s'élaborent les normes. Alors le premier enjeu dans ce cas-là, c'est évidemment de ne jamais perdre la cohérence entre chacune de ces échelles. Bon, je pense quand même qu'on ne part pas de rien. Il y a une très très longue habitude, une très très longue histoire de la coexistence de ces échelles. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans les 2 années qui viennent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le sujet... 1000 excuses déjà, je ne vais pas pouvoir résumer la conférence parce que malheureusement, je n'y ai pas participé. Et j'ai eu quelqu'un qui, comme moi, s'excuse aussi, c'est Catherine Gélin, la NL, que j'ai eue hier et qui malheureusement était empêchée, n'a pas pu venir. Mais j'ai, en rattrapant vos débats... vu qu'on allait sur, finalement, ce qui intéresse tout un chacun, c'est-à-dire la phase très opérationnelle, les sujets de traçabilité, les sujets de transparence, etc., etc. Alors, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que le Fonds français pour l'alimentation et la santé est un opérateur. Et se borne peut-être à ça, mais essaye en tout cas d'agir au plus proche des sujets, au plus proche de la population, au plus proche des gens, pour que finalement l'alimentation soit favorable à la santé. Donc, en gros... il essaye de faire, d'agir pour, finalement, le compte de ce que les normes prescrivent. Alors, dans les 2 années qui viennent, il va y avoir, me semble-t-il, pour les États, une incitation à répertorier les initiatives exemplaires nées ici ou ailleurs. Et à ce titre, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que si j'étais absent ce matin, c'est que j'étais précisément en train de lancer un projet qui me semble parfaitement correspondre aux besoins que vous avez soulevés, qui est celui de la mise en place d'une plateforme française, numérique, et qui est la plateforme des données numériques de l'alimentation. Ce projet s'appelle Numalim. Ce projet, je l'ai porté avec mes équipes et avec d'autres dans un consortium pour faire en sorte qu'on ait, pour la première fois, et d'ailleurs j'insiste sur ce point, il s'agira d'une première mondiale. On va avoir des données massives sur l'alimentation
en collectant des données du point le plus amont, c'est-à-dire sur les modes de production agricole, jusqu'en passant par, évidemment, les consommations individuelles, en passant par les comportements alimentaires, en passant par les données descriptives des produits. On va faire le premier catalogue numérique des aliments en France. Il y aura à peu près 500 000 aliments dans ce catalogue. Et tout ça va être connecté avec quoi ? Avec les données afférentes au statut nutritionnel de la population. Donc on va avoir ce qu'on appelle un data lake, on imagine ce que ça veut dire, en gros une piscine de données pour ne pas prendre le lac, et à l'intérieur de laquelle, un gisement de données, à l'intérieur duquel on va pouvoir faire énormément de recherches, et peut-être éclairer des choses qu'on ne sait pas bien, c'est-à-dire en gros les conséquences de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on mange, sur l'état physiologique et sur le statut nutritionnel. On fait des politiques publiques quelquefois sur du sable, c'est-à-dire sur des niveaux de preuves qui sont parfaitement insuffisants. En tout cas, ça, tous les scientifiques sont à peu près d'accord là-dessus. Donc en gros, ce projet numérique, c'est mettre de la donnée, parce que la donnée a une grande valeur, pour explorer ces relations entre l'alimentation et la santé, pour faire en sorte que finalement, un jour, on arrive à faire en sorte que, et ce sera peut-être la première des préventions finalement, ce que chacun arrive à connaître plus finement qu'aujourd'hui, c'est besoin physiologique, parce que vous savez, on travaille quand même sur l'homme à 2000 kilocalories. Hein. Ça calme, parce que moi, 2000 kilocalories, je pense que c'est 3 fois par an, les jours où je fais de l'activité physique. Les 362 jours qui restent, j'ai besoin de beaucoup moins que ça. Sauf que j'en mange au moins 2500 par jour. Donc j'ai un problème en tant que tel. Le jour où on aura les vrais outils incitant à regarder ce dont on a besoin, je pense qu'on mangera mieux et on aura un ajustement des besoins et de la couverture de ces besoins. Ça, c'est un monde merveilleux, avec les applications numériques qu'on vous proposera dans 1 an ou 2 ou dans 3 ans. Mais en tout cas, plateforme numérique de l'alimentation, retenez ce petit acronyme Numalim, ça va être hébergé par un établissement qui va s'appeler INALIM, Institut de l'alimentation, qui va travailler dans le droit fil de ce que vous avez dit sur au moins 3 thèmes importants. Le premier, c'est évidemment la transition numérique. Le deuxième, c'est l'éducation alimentaire. Il est évident que dans l'univers de consommation dans lequel on se situe, le socle des connaissances me semble insuffisant pour arriver à se guider à coup sûr vers des comportements qui soient favorables à la santé. On n'est pas tous spécialistes de l'alimentation, sauf ici. Et donc, franchement, ça peut être compliqué, se nourrir en fonction de ses besoins et en ayant suffisamment d'éléments de connaissances. Donc on dit qu'il faut une vraie réflexion en France sur le socle de connaissances nécessaire pour se mouvoir dans cet univers complexe de la consommation. Et puis, il y a un autre sujet, vous l'avez un peu abordé. Il est vrai chez nous, il est encore quelquefois plus vrai ailleurs, mais il y a une alimentation à 2 vitesses. Et puis, il y a des inégalités sociales de santé. Et il y a des effets de seuil qui font que lorsqu'on est en situation de précarité économique ou sociale, et cognitive, pourquoi pas, ça devient hyper complexe. Et on est à peu près à chaque fois à côté de l'objectif d'une alimentation satisfaisante pour n'avoir aucune conséquence délétère. Donc on va travailler sur les théories de l'inconnaissance, sur les théories des savoirs profanes, pour savoir au moins comment, enfin pour essayer de voir si on peut agir au cœur des populations qui n'ont ni les connaissances qui vont bien, ni les niveaux de revenus qui vont bien, ni, enfin, où il n'y a rien qui va ou à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de l'Institut de l'alimentation, on va consentir des efforts pour voir si on peut dégager des processus d'action au cœur des populations vulnérables. Voilà. Donc, en gros, voilà quelles sont les nouvelles. C'est parce que c'en est une. Et ce sont des nouvelles. L'Institut de l'alimentation sera mis en place d'ici la fin de l'année, entrera dans une phase opérationnelle en 2019. Et sa forme juridique sera une société coopérative d'intérêt collectif. Parce que finalement, l'acte alimentaire et le bien commun qu'il y a autour de l'acte alimentaire n'appartient à personne. Donc c'est forcément l'intérêt collectif. Donc on aura autour de table de cette organisation uniquement des organisations représentatives qui vont matérialiser la chaîne alimentaire, des agriculteurs jusqu'aux ONG, en passant par toutes les organisations représentatives intercalées, comme les représentants des distributions, etc., etc. Voilà. Donc ça... Mon vœu, cher Patrick, est que cette initiative dans 2 ans soit considérée comme exemplaire, mais à charge pour elle de le prouver. Voilà. Merci à tous d'être venus nous voir.